Ah oh là là, ça fait quoi, 20 minutes que je te connais? J'ai déjà envie de tout plaquer, de m'acheter un T-Roc. C'était cette rencontre, la clé du match pour vous, Mathis, à quelques secondes du coup d'envoi. C'est, ça va être le travail défensif, hein, surtout le manque de défense qu'il y a du côté du FC Metz actuellement. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, le réalisme des attaquants lillois, il ne faudra pas répéter les erreurs du match aller. On le rappelle, lors de la cinquième journée, Lens avait frappé 31 fois au but sans marquer. Il faut dire aussi que le gardien du FC Metz, Oukidja, a fait un super match. Donc, il va falloir faire preuve de réalisme face à l'une des pires défenses de Ligue 1. 48 buts encaissés, c'est la deuxième pire défense du championnat. Ils en ont pris 11 sur les trois derniers matchs. Donc, on se rappelle de la barre transversale, par exemple, face au Havre. Et bah, cette fois, il va falloir la mettre. Et puis, on le rappelle, Metz, c'est un club qui est quasiment en Ligue 2. Donc, voilà, il faut apprendre l'ascendant mental, faut être réaliste et mettre les occasions quand elles se présentent, parce que ça va la défendre derrière, c'est sûr. Je pense que on l'a vu, Metz a aligné un 4-5-1, ils sont là pour bétonner, on l'imagine. Donc faudra être réaliste sur les occasions qu'on se procure. Effectivement, il va falloir être réaliste et je compte également sur la stratégie qu'a mis en place Francaise pour ça, avec des joueurs qui vont se projeter énormément, je l'espère en tout cas. El Aïnaoui, Andy Diouf, Frankowski et Machado, cette ligne de 4 là au milieu de terrain, j'espère qu'elle sera extrêmement offensive et qu'elle ira apporter cet apport dans la surface de réparation adverse. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Nord. 21h sur France Bleu Nord. Le RC Lens face au FC Metz du côté de Saint-Symphorien. Mathis Caron, c'est à vous. Et c'est parti pour ce match entre Metz et le Racing Club de Lens. Le Messin Mikotadze qui vient de donner ce coup d'envoi à 6 journées de la fin de la saison, on le rappelle. Les Lensois doivent ramener une victoire de Lorraine pour tenter de sécuriser leur 6ème place, ou tenter d'aller regarder un peu plus haut et d'aller chercher Nice ou Lille. Les Lensois jouent en blanc aujourd'hui. Les Messins jouent en violet comme d'habitude à domicile. Et c'est les Messins qui ont la balle, justement, qui font circuler la balle en défense. C'est Mathieu Hudol, le capitaine Messin, qui remet ce ballon en arrière vers le jeune Sané en défense centrale, qui va transmettre ce ballon à Ismaël Traoré, l'Ivoirien. C'est dégagé, on va monter vers l'aile droite pour les Messins. Ils ont sur le ballon, ce bon ballon envoyé vers Kevin Van Der Kock, qui peut centrer pour Mikotadze. Peut-être il est dans la surface, attention, le centre peut-être, c'est un tir finalement et c'est Brice Samba qui s'est interposé. Il s'est jeté au sol dans un angle assez fermé, il faut le dire. Ce sera un corner pour les Messins. Ça a démarré très vite là, ça fait même pas une minute de match et les Messins qui se sont projetés très vite vers l'avant côté droit, avec Kevin Van Der Kock qui est parti comme une balle. On pensait qu'il allait centrer, peut-être il y avait Mikotadze qui me semblait bien seul au point de pénalty. Finalement, il tente la frappe pour tenter de surprendre Brice Samba, mais l'international français s'est bien interposé, il s'est jeté à son premier poteau et ce sera donc un corner pour les Messins côté droit. Attention, le ballon est en l'air, premier poteau, non, c'est au point de pénalty. Ce sera repris par Mikotadze du pied droit et ce sera dévié par un Lensois, le Géorgien, qui attendait aux abords de la surface et qui a repris ce ballon en une après un rebond, une frappe qui me semblait pas cadré mais qui est dévié, je crois, par Kevin Danso, le défenseur lensois. Ce sera donc un nouveau corner. Attention, le joueur messin qui prend de l'élan et ça a déjà bien réveillé le public messin qui est venu en nombre aujourd'hui. Attention, le ballon est en l'air, c'est au point de pénalty à nouveau, c'est perdu directement, non, ça va revenir dans les pieds de Mikotadze, l'international géorgien. On est aux abords de la surface côté gauche avec Papa Diallo qui va tenter le centre du droit, point de pénalty, c'est dévié de la tête et ça ira directement en sortie de but. Brice Samba n'est pas inquiété, il n'a pas eu à s'employer sur cette tête ratée de la part de l'attaquant messin. On va pouvoir se dégager, les Lensois qui vont pouvoir enfin mettre le pied sur ce ballon. Parce qu'on le rappelle, ce sont les Messins qui ont donné le coup d'envoi. Et depuis, ils n'ont pas lâché la balle. Les Lorrains, c'est dégagé par Brice Samba côté gauche. On est tout près de la ligne médiane et ça va directement sur la tête de Mathieu Hudol, le capitaine messin, qui va rejouer vers Endoram, l'ancien monégasque, au milieu de terrain. On est dans la partie... dans le camp messin, c'est dégagé par Oukidja loin devant. Il va tenter d'aller chercher l'ailier droit Kevin Van Der Kock. C'est repris par Medina peut-être de la tête. Oui, attention, Brice Samba qui était sorti. C'était dangereux cette sortie. Le gardien français qui va reprendre son poste dans les cages. Il a pu dégager ce ballon directement dans les pieds de Mathieu Hudol à nouveau. Ce ballon qui est messin. Attention, c'est perdu par Mikotadze de la tête. Et Frankowski qui va pouvoir récupérer ce ballon et le remettre dans sa surface pour Brice Samba, son capitaine. Brice Samba qui va aller chercher Facundo Medina, l'Argentin. Brice Samba à nouveau. Il faut qu'ils prennent leur temps, les Lensois. Ils ont été cueillis à froid là.
Mais il faut vraiment se rassurer un petit peu. Là, le début a été tambour battant pour les Messins. Il faut peut-être un peu calmer le jeu là pour les Lensois. C'est ça, mais ça repart directement avec Frankowski qui est tout près du poteau de Connard, qui peut tenter de centrer du droit. C'est dévié par Papa Diallo. C'est récupéré quand même par Sotoka qui va tenter de centrer vers Andy Diouf. C'est manqué, c'est dégagé par les Messins. Attention, Cafouillage au d'abord de la surface. Non, la balle est toujours Messine. Ballon récupéré par Andy Diouf, il peut peut-être frapper le milieu lensois. Il va aller chercher El Naïnaoui pour Machado qui touche son premier ballon de la rencontre. On est dans la partie Messine. Attention, Saïd qui touche son premier ballon également. Et on a un joueur lensois qui est toujours au sol, je crois que c'est Grady. Il vient de se relever finalement et attention à cette perte de balle lensoise. Et lensois qui joue très très haut. Ils sont tous dans la partie de Caen Lorraine. Grady qui a ce ballon, qui va pouvoir jouer sur la droite vers Frankowski pour Sotoka qui descend pour aider son partenaire. Frankowski qui remet vers Grady. Ils prennent leur temps, les Lensois, ils peuvent poser le jeu. Les Messins qui ne pressent pas vraiment pour l'instant. Attention, le bon décalage de Sotoka pour Frankowski qui perd ce ballon. Il va tenter de le tacler pour le récupérer. Et c'est dégagé par les Messins en sortie. Ce sera une touche pour les Lensois tout près du poteau de corner côté droit. C'est Frankowski qui va s'en charger. On est à 3-4 mètres, on va dire, de ce poteau de corner. Il y a du monde dans la surface, il y a Wesley Saïd, Sotoka est venu l'aider. Sotoka à nouveau pour Frankowski. Frankowski qui va perdre ce ballon. C'est récupéré par Endoram. Ah, il y a peut-être une main lensoise. C'est Frankowski qui a touché le ballon de la main. Ça va être dégagé par les Messins. Ils sont aux abords de leur surface de réparation à l'angle droit. C'est Mathieu Hudol qui va s'en charger. Et vous l'entendez, les Messins qui donnent de la voix en ce début de rencontre. Ils ont plutôt bien commencé ce match. On pensait qu'ils allaient plutôt attendre les Lensois dans leur partie. Mais finalement, non, ils ont tout de suite été très agressifs, les Lorrains. Kevin Danso qui a ce ballon. Ça ne va pas dans le sens des tifos qui ont été installés en tribune. Alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'on attend une réaction du côté des supporters Grenat aujourd'hui. Exactement, juste en dessous du COP Grenat, justement, je vois cette grande pancarte. On devient fantôme. C'est sûr qu'en ce moment, ils peuvent s'inquiéter, les Messins. On sait qu'ils ont l'habitude de faire le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et cette saison, ça pourrait à nouveau se terminer par une descente. C'est simple, en 10 ans, le FC Metz est monté 3 fois en Ligue 1 et descendu 3 fois en Ligue 2. Donc on imagine que les supporters Messins en ont assez. Et cette saison, c'est vrai qu'elle est très difficile pour eux. Et puis, quand je disais tout à l'heure que je pensais qu'ils avaient déjà un pied en Ligue 2, c'est parce que certes, ils sont 17e, mais ils ont un calendrier terrible qui les attend avec Le Havre, le LOSC, Rennes, Strasbourg, le PSG. Attention, le centre de Sotoka peut-être pour Wesley Saïd. Oh, Wesley Saïd qui manque ce ballon de la tête d'un cheveu. C'est repris par Machado qui va tenter le centre. Il va perdre ce ballon tout de suite. C'est remonté très vite pour les Lensois. En 2-3 passes, ils étaient aux abords de la surface. Et Sotoka qui était bien placé pour centrer sur son côté droit. Il allait chercher Wesley Saïd au second poteau. Mais il était trop petit. Ou alors il n'a pas sauté assez haut, l'attaquant Lensois. Il loupe ce ballon d'un cheveu de la tête. Et Machado derrière qui peut s'emparer de ce ballon mais qui perd tout de suite. Qui le perd tout de suite. C'est récupéré par les Messins qui ont manqué leur dégagement. Et les Lensois qui ont le ballon du coup dans leur camp. On est dans le rond central maintenant avec Jonathan Grady qui va aller chercher Wesley Saïd pour Andy Diouf qui va tenter d'aller chercher Frankowski loin devant. Ce sera directement en touche, une touche pour les Messins tout près de leur poteau de corner à une dizaine de mètres. Oui, je le disais, du coup les Messins qui ont un gros calendrier, donc forcément les supporters peuvent s'inquiéter, mais là ils peuvent être satisfaits quand même de ce début de rencontre pour leur équipe, même ouais. Si je viens de le dire, là il y a eu quand même une première occasion intéressante pour le RC Lens avec ce bon centre de Sotoka au second poteau. On sait qu'il est très altruiste. On le rappelle, le FC Metz qui a 3 points de retard sur Lorient, le barragiste, et qui en a 5 de retard sur Nantes, le premier non relégable. Donc il y a aussi des points à aller chercher pour les Messins, juste pour rattraper leurs principaux concurrents. Attention avec la frappe d'Andy Diouf qui va aller directement en sortie de but. Soukidja qui n'est pas inquiété. C'est le premier tir du coup de cette partie pour les Lensois. Et je précise aussi qu'il y a un beau parquage justement nordiste à ma droite avec quelques fumigènes qui ont été allumés en début de rencontre. Ils sont sur deux étages, ils doivent être à peu près 1000 je pense. Et Oukidja qui dégage ce ballon loin devant pour aller chercher Pape Diallo, mais c'est récupéré par Jonathan Grady. Attention à la perte de balle, non, c'est Medina finalement qui s'empare de ce ballon. Et là, soit qu'ils peuvent repartir à l'attaque. Finalement, ils vont faire tourner, on est dans le rond central. El Naïnaoui qui se projette, il va tenter d'emmener ce ballon vers l'avant. Il dribble un joueur, deux joueurs. Il y a peut-être une faute, la première de cette rencontre. On vient de dépasser la ligne médiane, c'est un coup franc qui va pas être très dangereux pour les Lensois, mais ils ont toujours ce ballon. El Naïnaoui qui
qui a chaloupé entre 2-3 joueurs et ça fait toujours 0-0, donc 8 minutes de jeu ici au stade Saint-Symphorien. Tous les matchs des 100 et or sont à vivre en direct sur France Bleu Nord. Le FC Metz face au RC Lens, donc toujours 0-0, aucune frappe selon moi du côté lensois. Mathis, vous avez les mêmes comptes que moi, hein. les 100 et or n'ont toujours pas frappé au but. Si, Andy Diouf vient de frapper au but il y a une trentaine de secondes. Oui, c'est vrai. Attention avec Frankowski avec un bon centre au point de pénalty. C'est repris peut-être en une par El Naïnaoui qui a tenté une frappe. Donc deuxième frappe pour les Lensois. Les deux milieux qui ont frappé au but aux abords de la surface. C'est des frappes inoffensives pour l'instant. Et c'est récupéré par les Grenats qui peuvent repartir de l'avant. Et non, finalement ils vont rejoindre en arrière avec Ismaël Traoré. Ismaël Traoré qui va aller chercher son latéral droit Maxime Collin. Maxime Collin pour Arthur Atta. On est dans le rond central. Arthur Atta qui va aller chercher Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui est le deuxième meilleur buteur de son club, le défenseur gauche avec seulement 3 buts. C'est dire à quel point les Messins ont du mal à mettre ce ballon au fond des filets cette saison. Attention à Ndoran qui va récupérer ce ballon. On passe la ligne médiane. Ça combine bien côté Messins. Il s'est récupéré finalement par Medina. Medina qui va remettre ce ballon vers Danso. Danso qui se projette vers l'avant, qui va aller chercher Machado. Wesley Saïd était parti sur son côté gauche. Il n'a pas été trouvé finalement par le Colombien qui va rejoindre en arrière avec El Aïnaoui. El Aïnaoui pour Sotoka qui est descendu très bas. Il est au niveau des défenseurs centrales, l'attaquant français. El Aïnaoui pour Kevin Danso. On fait tourner ce ballon en défense. Andy Diouf maintenant. Andy Diouf pour Jonathan Grady qui va aller chercher Wesley Saïd qui avait fait une bonne incursion dans la surface. Oh attention, il y a peut-être un pénalty. C'est un pénalty pour le RC Lens avec Kukidja qui a totalement fauché Wesley Saïd qui partait au but avec ce super appel dans le dos de la défense. C'est Jonathan Grady qui avait envoyé une passe laser. Il avait cassé deux lignes avec cette superbe passe. Il avait trouvé Wesley Saïd qui pouvait emmener ce ballon et dribbler Kukidja, mais finalement le gardien algérien qui attrape le pied de l'attaquant français qui s'écroule dans la surface. Et à la 10e minute de jeu, donc un pénalty pour le RC Lens. Wesley Saïd qui reste au sol. Incontestable. Incontestable. Cette super passe de Jonathan Grady. On disait que Facundo Medina avait cette faculté à casser les lignes avec des passes tranchantes comme celle-ci. Et là, c'est Jonathan Grady qui était monté avec la balle. Il était vraiment quasiment à un poste de milieu de terrain, un poste de milieu droit. Et il allait chercher Wesley Saïd qui avait fait un super appel dans le dos de la défense. Je pense qu'il n'était pas hors jeu. Corrigez-moi si je me trompe, Adrien. Ça n'a pas l'air, non. Ça n'a pas l'air. En tout cas, Florent Sotoka qui est déjà placé. Il a le ballon dans les mains. Pendant que Wesley Saïd se fait soigner, il est encore au sol. Kidja qui n'a pas l'air de contester. Il le sait, il a touché l'attaquant français. Et Florent Sotoka qui a cette balle de 1-0, qui pourrait lancer cette rencontre définitivement à la 11e minute de jeu. On sait, il a laissé sur pénalty l'attaquant français. Ça pourrait être son 6e but de la saison. Wesley Saïd qui pour l'instant est toujours au sol. Sous les sifflets, bien sûr, des Messins. Et Eli Wahi est parti s'échauffer, courir un petit peu. Allez, ce serait le bon moment pour marquer. Faire sauter le verrou Messin dès le début de la rencontre. On le disait, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Et alors si le Lensois ouvre le score si tôt dans la rencontre, le match pourrait se débrider et il y aura encore des buts à aller chercher pour le RC Lens. Wesley Saïd qui sort du terrain pour se faire soigner. Mais il s'est relevé, le numéro 22 Lensois, pendant que Kukidja va aller se placer dans sa cage. Ça marche. C'est déjà plus rassurant que de sortir avec les kinés. Je vois que les kinés s'occupent de son pied. Et pendant ce temps, Sotoka qui prend 2-3 pas d'élan. Il a posé ce ballon. Allez, le face-à-face entre Alexandre Kidja et Florian Sotoka. On joue depuis 12 minutes. Sotoka qui s'élance, c'est frappé et c'est marqué. 1-0 pour le RC Lens. Sotoka qui va mettre ce ballon sur le côté droit du but. Alexandre Kidja qui n'a pas bougé. Et l'attaquant français qui va aller célébrer devant le parcage lensois son 6e but de la saison. Les Lensois lancent ce match parfaitement. On le disait, ils avaient un peu subi après le coup d'envoi. Et là finalement ils se sont mis dans le bon sens et ils vont ouvrir le score. Ça commence très bien pour les Lensois. Effectivement, et il est très bien tiré hein, ce tir au but là, contre-pied parfait face à Kukidja. Florian Sotoka, il a sécurisé là sur la droite du but messin.
Et on voit le parquage en fusion, les Lensois qui ont pu célébrer avec leur attaquant. Et Miko Tadze qui a déjà replacé ce ballon dans le rond central. En tout cas, ça va changer la physionomie du match, sans doute. On imagine que les Messins vont se découvrir maintenant. Allez, c'est joué par Miko Tadze qui va aller chercher Ndoram, le milieu de terrain Messin, qui va mettre ce ballon vers Arthur Atta. Arthur Atta qui va rejoindre en arrière vers Ismaël Traoré. Ismaël Traoré vers son latéral droit Maxime Collin. Maxime Collin pour Ismaël Traoré à nouveau. Les Messins qui ont toujours le ballon avec Sotoka qui effectue un gros pressing comme à son habitude, bien aidé par Frankowski. Les Messins qui sont contraints d'aller dégager ce ballon loin devant pour Miko Tadze. C'est raté et c'est récupéré par Facundo Medina, l'Argentin, qui prend son temps. Ils ont peut-être fait le plus dur finalement, Adrien, avec cette ouverture du score, les Lensois. C'est ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire au match aller justement. Là, les Messins vont être obligés de s'ouvrir un petit peu plus. Exactement. On rappelle, attention à cette perle de balle d'El Ainaoui. Les Messins qui peuvent jouer peut-être ce contre. Finalement, Arthur Atta perd ce ballon. Non, c'est touché par Sotoka. Une touche messine dans la partie lensoise. On n'est pas très loin de la ligne médiane. C'est Mathieu Hudol qui va s'en charger, le latéral gauche. Et capitaine Lorrain, il va rejouer directement en arrière vers le jeune Sané, défenseur central de 19 ans, qui effectue sa première saison chez les pros. Attention à ce bon ballon peut-être, Messin, non, ce sera raté ce dégagement. Un long ballon, on tentait d'aller chercher Kevin Van Der Konoff, l'Algérien. Ce sera directement en sortie de but et c'est Brice Samba qui va pouvoir dégager ce ballon. Le gardien lensois, Kevin Danso qui se rapproche pour peut-être demander ce ballon. Non, finalement ça va être dégagé loin devant. On va tenter d'aller chercher Machado de la tête, qui va aller prendre ce ballon, qui va pouvoir décaler Andy Diouf, qui fonce sur son côté gauche. On se rapproche de la surface. Attention, le bon centre vers Machado qui contrôle dans la surface, un bon contrôle. Il va finalement remettre ce ballon à Diouf sur le côté gauche. On est tout près du poteau de corner. Diouf pour Machado qui va peut-être tenter de centrer. Non, finalement il va rejouer directement en arrière pour Facundo Medina. On est toujours dans le camp messin. Le centre de Machado du gauche qui va tenter d'aller chercher Frankowski qui était dans la surface. C'est raté, ça retombe dans les pieds de Florent Sotoka. De l'autre côté, on est côté droit maintenant. Jonathan Grady qui joue très haut comme tout à l'heure et qui va rejouer finalement derrière pour Kevin Danso, qui est en position de frappe peut-être. La frappe de Kevin Danso qui passe assez loin du but. Une frappe du gauche à ras de terre qui n'inquiète pas Alexandre Oukidja. Kevin Danso qui jouait très haut. Globalement, les Lensois jouent très très haut. Ils sont très agressifs dans ce début de partie et ils tentent beaucoup de loin. C'est déjà la troisième frappe de loin, si je ne me trompe pas. El Ainaoui et Andy Diouf avaient déjà frappé en dehors de la surface il y a quelques minutes. En tout cas, les Messins qui repartent à l'attaque avec un long dégagement. Attention, Arthur Atta qui va aller tenter d'aller centrer pour Miko Tadze. C'est bien repris par Kevin Danso. Et on aura un corner pour les Messins, le troisième de la partie. C'est remonté très vite côté Lorrain. Avec ce centre qui paraissait inoffensif pour Miko Tadze. Finalement, Kevin Danso qui a mis ce ballon en corner. C'est Arthur Atta qui va s'en charger. Il prend son élan, le jeune milieu. Les Lensois sont tous dans la surface de réparation. C'est tiré au second poteau. Attention, la tête messine. Ouf, ça passe juste à côté des buts de Brice Samba. Je crois que c'est Mathieu Hudol qui était bien seul au second poteau sur ce corner messin. Brice Samba avait l'air surpris. Il n'a même pas eu besoin de sauter le Messin. Et c'est dégagé par Brice Samba, loin devant. C'est repris par Sané immédiatement. On passe la ligne médiane côté Lorrain. Papa Diallo finalement qui perd ce ballon. C'est récupéré par les Lensois. Avec Andy Diouf qui va remettre ce ballon vers Florian Sotoka pour El Ainaoui. On est dans la partie lensoise. Kevin Danso pour Florian Sotoka qui vient apporter de l'aide à sa défense. El Ainaoui en tour de contrôle dans le rond central, qui combine bien avec Florence Otoka qui va aller chercher Machado côté gauche avec un long ballon. C'est perdu, c'est récupéré finalement par la défense messine avec Maxime Collin. Mais ce sera une touche pour les Lensois. À mi-chemin entre la ligne médiane et le poteau de corner côté gauche. C'est joué très rapidement. El Ainaoui qui va aller chercher Wesley Saïd. C'est récupéré par Ismaël Traoré qui va dégager ce ballon à nouveau en touche. On a une quinzaine de mètres de la ligne médiane.
Et ça fait toujours donc 1-0 pour le RC Lens qui a marqué sur pénalty il y a 5 minutes par l'intermédiaire de Florian Sotoka. Un pénalty obtenu par Wesley Saïd. Et déjà des conséquences au classement, donc, puisque les 100 et reprennent la 5e place, se retrouvent à 3 points du voisin lillois et qui reprennent donc 2 points d'avance sur Nice et 6 sur Reims qui joueront plus tard dans le week-end. France Bleu présente Où les talents, le grand concours musical 100% Hauts-de-France. Vous êtes chanteuse et chanteur en solo ou en groupe. Participez à la 2e édition de Où les talents et devenez la révélation 2024 des Hauts-de-France lors de la grande finale le 11 juin en public à Mégacité Amiens. Où les talents, l'événement musical et régional 100% Hauts-de-France sur France Bleu. Infos et inscriptions dès maintenant sur francebleu.fr. Le RCL en direct, c'est maintenant sur France Bleu Nord. Le RC Lens a fait le plus dur. Les Lensois ont ouvert le score sur un pénalty de Florian Sotoka, Mathis Caron du côté de Saint-Symphorien. Maintenant, il faut peut-être canaliser les premières réactions messines qui ne devraient pas tarder à se montrer peut-être. C'est ça, c'était il y a 6 minutes déjà ce pénalty de Florian Sotoka obtenu par Wesley Saïd. Et depuis, les Messins, c'est vrai qu'ils se découvrent un peu plus. En tout cas, ils emmènent ces ballons un peu plus haut, ils tentent plus de choses. Et pour l'instant, ce sont les Lensois qui ont la balle avec Brice Samba dans sa surface qui va tenter de se dégager. Il est pressé par Miko Tadze. Attention à ne pas faire d'erreur. C'est bien dégagé vers Machado qui était descendu pour apporter de l'aide à son gardien et capitaine. Machado qui est en jambe depuis le début de cette rencontre. Qui va donner ce ballon à Wesley Saïd, qui est revenu d'ailleurs dans la partie et qui a l'air en forme. Plus de peur que de mal pour l'attaquant français. Et ce ballon qui est perdu justement par Wesley Saïd, c'est récupéré finalement par Medina. On est tout près du poteau de corner lensois et on repart à l'attaque avec El Ainaoui. El Ainaoui qui perd ce ballon. Andy Diouf était là pour s'en occuper. Et il y a une petite faute de Endoram sur Andy Diouf qui s'était bien dégagé du pressing messin. Endoram, ancien espoir de Monaco, qui est maintenant en Lorraine depuis quelques années et qui vient faire cette faute. Donc sur Andy Diouf, ce sera un coup franc pour les Lensois dans leur camp. C'est Brice Samba qui devrait s'en charger. On est un peu excentré côté gauche. Je vous disais, ouais, donc Wesley Saïd qui m'a l'air en forme sur ces accélérations là. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. On sait qu'il s'était fait un peu attraper la cheville par Alexandre Okidja sur la faute qui a donné lieu à ce pénalty. Les Lensois qui vont pouvoir se dégager. C'est Medina qui s'en charge. Il va aller chercher Jonathan Grady de l'autre côté de la défense. Jonathan Grady qui emmène bien ce ballon. On passe la ligne médiane dans l'axe. Il y a Frankowski qui va tenter de faire un petit appel. Non, c'est finalement Sotoka qui va avoir ce ballon. Sotoka côté droit qui va aller tenter d'aller chercher El Ainaoui. El Ainaoui pour Andy Diouf. Andy Diouf, Sotoka, on combine au milieu de terrain. On se rapproche de la surface petit à petit. Attention, Sotoka pour Wesley Saïd. On est tout près de la surface de réparation et c'est finalement repris de la tête par un joueur messin. Mais c'est récupéré déjà par les Lensois. On est dans le rond central. El Ainaoui pour Wesley Saïd côté droit. On a une dizaine de mètres de la surface de réparation. Wesley Saïd et Sotoka qui combinent. Attention sur le 1-2 pour Wesley Saïd qui va finalement être trop court pour récupérer ce ballon dans la surface de réparation. C'est dégagé par les Messins directement dans les pieds de Jonathan Grady qui va remettre ce ballon vers son capitaine Brice Samba. Brice Samba pour Kevin Danseau, l'Autrichien, qui a de la place. Il n'est pas pressé par les Messins. Les Messins qui avaient mis beaucoup d'intensité ces dernières minutes, mais qui semble un peu se calmer. Les Lensois qui ont vraiment le pied sur la balle. Sotoka pour El Ainaoui. El Ainaoui qui touche beaucoup de ballons en ce début de rencontre. Tout passe par lui, le jeune milieu de terrain qui était absent la semaine dernière, on le rappelle, en première mi-temps. Andy Diouf pour El Ainaoui, justement, c'est perdu. C'est récupéré par El Ainaoui, le contre favorable pour les Lensois. Et ça repart à l'attaque avec Kevin Danseau dans le rond central qui va aller chercher Sotoka. La bonne passe de Sotoka pour Frankowski peut-être. Non, ce sera trop long et c'est directement dans les bras de Alexandre Okidja. Frankowski qui était parti trop tard pour récupérer ce ballon sur son côté droit. En tout cas, Florian Sotoka avait bien senti le coup avec ce ballon en profondeur pour le Polonais. Okidja qui monte avec ce ballon, qui va dégager loin devant, qui va aller chercher Papa Amadou Diallo, le numéro 7, l'ailier gauche messin, mais c'est raté. Il est battu au duel, les Lensois qui peuvent dégager ce ballon. Ce sera pour Sané. Attention, Sané qui perd ce ballon justement. Il est dribblé par Wesley Saïd dans le camp messin et finalement il s'en sort, le jeune défenseur central messin, Wesley Saïd, qui avait bien suivi. Et c'est récupéré au milieu de terrain par les Lensois. Jonathan Grady pour Frankowski sur le côté droit. Frankowski qui va rejouer en arrière vers Kevin Danseau. Il y avait un bon coup à jouer peut-être là avec cette récupération de Wesley Saïd. On était dans le camp messin.
El Aïnaoui, hein, le petit ballon piqué pour Sotoka dans la surface. Sotoka qui va tenter de centrer au point de pénalty, mais il n'y a personne. Wesley Saïd n'était pas là, malheureusement. Sotoka, il n'a pas eu le temps de lever la tête avant de tenter ce centre. En tout cas, il avait bien été trouvé par son milieu de terrain, El Aïnaoui, avec un super ballon au-dessus de la défense. Un très bon contrôle de l'attaquant français dans la surface de réparation, Messine. Et finalement, ce centre qui ne donnera rien. En tout cas, on sent les Lensois très dangereux. On sent qu'ils ont envie de mettre ce deuxième but. Ils veulent se mettre à l'abri. Ils n'avaient pas réussi à le faire la semaine dernière face au Havre. Ils avaient été repris sur pénalty après une faute de Rubén Aguilar. Et ils n'avaient pas pu revenir au score ensuite. On était resté sur un score de 1 partout. Alors aujourd'hui, il faut faire le break et se mettre à l'abri assez vite. Et on sent que les Lensois, ils en ont la capacité. On a l'impression que ce RC Lens-là est cohérent. En tout cas, tout le monde joue la même partition, en tout cas, ce soir à Metz. Exactement, et on sent surtout beaucoup plus de créativité de la part des joueurs. Peut-être aussi que la titularisation d'El Aïnaoui y est pour quelque chose. On voit qu'il tente beaucoup de longs ballons. Quand il a la balle, il avance avec ce ballon pour casser les lignes, justement. Donc oui, on sent une certaine créativité. On voit aussi Wesley Saïd qui tente de dribbler, Machado aussi qui fait du bien sur son côté gauche pour l'instant. Donc les ingrédients sont là pour aller chercher le break, mais pour l'instant ça fait toujours 1-0. On joue depuis 25 minutes ici au stade Saint-Symphorien. Le RCL en direct, c'est maintenant sur France Bleu Nord. Les Lensois qui ont ouvert le score sur pénalty du côté de Metz à la 13e minute et qui mènent toujours un but à zéro après 25 minutes de jeu. Mathis Caron, tout se passe bien, tous les voyants sont au vert donc pour le RC Lens. Oui, on a le sentiment vraiment que les Lensois sont sereins dans ce début de partie. On peut dire qu'ils dominent, même il y a quand même 66% de possession pour les nordistes, c'est vraiment pas mal. Et on sent que ouais, les Messins ont du mal à aller chercher leurs attaquants quand même. Ils essayent de passer par des longs ballons, mais la défense est très attentive, notamment Jonathan Grady et Kevin Danso qui sont impériales dans les duels aériens depuis le début de cette rencontre. Et c'est Jonathan Grady justement qui récupère ce ballon sur une longue passe Messine, qui va aller transmettre ce ballon à Facundo Medina, l'international argentin. Le ballon qui circule en défense, Danso qui va peut-être tenter d'aller chercher Wesley Saïd qui était parti loin devant, et non, finalement il va mettre ce ballon à El Aïnaoui. El Aïnaoui pour Wesley Saïd. On remonte le terrain, on est sur le côté gauche. Machado qui va tenter de donner un ballon en profondeur pour Wesley Saïd le long de la ligne de touche, et ce sera raté. Wesley Saïd qui a tenté de s'imposer en faisant une faute au duel face au défenseur messin, mais il y aura une faute, ça va pouvoir être dégagé par Alexandre Kidja. Alexandre Kidja qui avait déjà, c'est lui qui avait fait cette énorme erreur face à Florian Sotoka il y a deux ans, quand Sotoka était passé derrière lui pour récupérer le ballon dans ses pieds et marquer dans un angle très fermé. C'était déjà, je crois, face à ce gardien, et je crois qu'il sourit plutôt bien à l'attaquant en soi. Il est à Metz depuis 6 ans, donc c'est fort possible, Adrien. Ah, attention à cette perte de balle vraiment bête de Facundo Medina, qui n'était pas inquiété dans sa surface et qui a tenté d'aller chercher Brice Samba pour temporiser, et finalement il met ce ballon directement en corner. Il n'a pas inquiété son gardien, mais c'est une passe ratée qui peut-être donner une occasion de but au Lorrain. C'est vraiment dommage, il n'était pas attaqué, Facundo Medina. Je ne sais pas s'il s'est retourné avant de donner ce ballon à Brice Samba. En tout cas, le gardien français était vraiment loin du ballon. Et ce sera un corner donc pour les Messins, déjà le quatrième de cette partie. Pour l'instant, ça n'a rien donné, heureusement. Et attention, c'est tiré au point de pénalty. Oh là là, Brice Samba qui s'envole pour aller récupérer cette tête de Papa Amadou Diallo. C'était très dangereux. Il avait bien sauté, l'attaquant Messin. Et Brice Samba qui s'envole vers la gauche du but. Première inquiétude, première sollicitation pour Brice Samba. Vraiment, c'était moins une. Corner bien joué par les Messins. Et là, on aurait pu se dire que Facundo Medina aurait pu faire vraiment du mal à ses partenaires avec cette faute bête qui a mené un corner et qui aurait pu donner un but. Mais en tout cas, Brice Samba qui est bien vigilant et qui s'envole pour aller dégager ce ballon. Et ça ne donnera pas un second corner. Les Lensois ont pu s'emparer de ce ballon et ils l'ont dégagé directement dans les bras d'Alexandre Kidja. Attention à cet avertissement. Vous avez déjà solide sur les coups de pied arrêtés quand même. C'est vrai, c'est déjà le quatrième corner, je le disais. Donc il faut être vigilant. Et là, Brice Samba l'a été, heureusement. Et Facundo Medina aussi, il faut qu'il fasse attention à ce genre de passe. Ça peut être très dangereux. Et on repart à l'attaque côté Lensois avec Kevin Danso. Pour El Aïnaoui, on est dans le rond central. Andy Diouf qui va aller chercher Frankowski sur le côté droit. On est dans le camp Messin. Et ce sera une touche pour les Lensois.
C'est Frankowski qui va s'en charger. On est tout près de la ligne médiane. Il va tenter d'aller chercher El Ainaoui. El Ainaoui qui, je disais, touche vraiment beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre. Il va aller chercher Jonathan Grady. Jonathan Grady qui monte avec ce ballon, qui va aller chercher Florian Soutoka. Attention, ils sont nombreux dans la surface. Les Lensois. Wesley Saïd qui a ce ballon. Attention, ça aurait pu être dangereux. Wesley Saïd qui était lancé dans la surface. Il a tenté le centre. C'est bien dégagé par les Messins et ce sera un corner pour les Lensois. C'est Andy Diouf qui va s'en charger, je crois. Wesley Saïd qui est vraiment très actif sur le front de l'attaque. On le voit faire beaucoup d'appels et là, il était bien servi par Florian Soutoka. Il était bien seul dans la surface. Il a tenté de se retourner pour faire un centre à ras de terre au point de pénalty. Je crois qu'il tentait d'aller chercher Andy Diouf justement. Et c'est raté. C'était une belle occasion. Attention, corner tiré au point de pénalty. C'est repris par Metz directement. Et ce sera dégagé par Alexandre Okidja. Le match qui s'emballe un peu là depuis quelques minutes. En tout cas, Brice Samba, très serein pour l'instant. Malgré cette belle tête messine. Et on rappelle pendant ce temps-là le duel des gardiens entre Brice Samba et Okidja, il est remporté par l'international français. Okidja qui a quand même provoqué ce pénalty de façon incontestable à peine après 10 minutes de jeu. C'est ça, et Alexandre Okidja qui est quand même le titulaire indiscutable depuis quelques années à Metz, mais qui est un peu contesté en interne depuis quelques matchs. Il avait fait une énorme erreur. Attention quand même avec ce contre mené par Andy Diouf, il y a un contre favorable. Il va peut-être pouvoir frapper. Et c'est manqué, c'est directement dans les pieds d'un Messin cette frappe. Andy Diouf qui tente sa deuxième frappe du match. Il se projette bien le milieu français. Et là il y avait un bon contre à jouer. Il a peut-être des solutions à sa gauche et à sa droite. Il y avait un 4 contre 4 à jouer. Et finalement il a voulu y aller tout seul en frappant du gauche aux abords de la surface. C'était peut-être un peu ambitieux. Il y avait peut-être mieux à faire sur ce contre mené par les Sang et Or. Et El Ainaoui qui a ce ballon qui va le transmettre à Frankowski. On revient dans le rond central avec Kevin Danseau. Kevin Danseau qui progresse avec ce ballon. Il attend un appel peut-être de Wesley Saïd ou de Pereira da Costa qu'on ne voit pas beaucoup depuis le début de cette rencontre. El Ainaoui côté droit pour Frankowski. Ça combine bien. Attention à ce ballon. Cet extérieur du pied piqué pour aller chercher Frankowski. C'est manqué. Soutoka qui récupère ce ballon, il va aller chercher El Ainaoui. On est tout près de la surface, le centre d'El Ainaoui. Il tentait d'aller chercher Machado au second poteau, c'est manqué, mais le Colombien récupère ce ballon. Il y a peut-être un centre à jouer côté gauche. C'est Facundo Medina qui est monté très très haut, il est tout près du poteau de corner l'Argentin. Les Lensois vraiment très très offensifs. Même depuis cette ouverture du score, on pensait peut-être qu'ils allaient tenter de gérer leur avance, mais il n'en est pas question. Ils veulent mettre ce deuxième but. Attention, Jonathan Grady qui va tenter d'aller chercher Wesley Saïd. C'est récupéré par Soutoka. Soutoka juste devant la surface. Attention, la passe pour Wesley Saïd. Wesley Saïd qui remet dans l'axe. Et il était finalement hors jeu. Wesley Saïd qui avait tenté de remettre ce ballon vers El Ainaoui qui était au point de pénalty. Frappe manquée d'El Ainaoui qui tombe dans les pieds de Wesley Saïd, mais l'attaquant a été sifflé hors jeu. Un petit cafouillage, attention à cette perte de balle de Jonathan Grady sur le dégagement. Nico Tadze qui récupère ce ballon et finalement il se perd dans ses grilles et il perd ce ballon, le Géorgien. C'est récupéré par les Lensois. Andy Diouf qui repart à l'attaque. Il va finalement remettre ce ballon en arrière vers Pereira da Costa. Et attention à ces pertes de balles en défense. Cette fois-ci c'était Jonathan Grady sur un long dégagement d'Okidja. Jonathan Grady qui manque son duel aérien et qui aurait pu donner une belle occasion à Georges Nico Tadze, qui aurait pu partir seul au but. Heureusement pour les Lensois, il a tenté le geste de trop, le géorgien, et le ballon du coup qui est toujours Lensois. On est dans le camp messin avec Machado côté gauche qui va remettre vers Andy Diouf. On est tout près de la ligne médiane. Andy Diouf à nouveau, Machado pour Kevin Danseau. Attention, Kevin Danseau qui perd un ballon et le contre-messin qui est parti avec Kevin Van Der Kof. Et finalement c'est récupéré par Medina. Attention à ces pertes de balles en défense, ça commence à faire beaucoup, c'est la troisième en moins de 10 minutes. Ça commence à faire deux pertes de balles pour Facundo Medina, une pour Jonathan Grady. Et ce serait bête de ne pas conserver cette avance. Ils avaient fait le plus dur, les Lensois, on le rappelle. Et attention, nouvelle perte de balles. Cette fois-ci, c'est Danseau, je crois. Non, c'est Wesley Saïd qui perd ce ballon tout près de la ligne médiane. Il était redescendu et il manque son contrôle. Ce sera directement une touche pour les Messins qui la jouent très vite. Ils repartent en défense avec... Ismaël Traoré qui va chercher Maxime Collin sur le côté droit. Les Messins qui ont vraiment du mal à atteindre leurs attaquants en jouant au sol. Tous les ballons passent par les airs. Alexandre Okidja est vraiment la rampe de lancement de cette équipe. Tout part du gardien Messin.
Et là, ce sont les défenseurs centraux qui se font des passes. Ils temporisent un peu les Messins. Ils ont souffert là depuis quelques minutes. Ils vont essayer de reprendre le contrôle un peu du match. On le rappelle, grosse possession lensoise depuis le début de cette mi-temps. Les Messins qui continuent à faire circuler, ils sont toujours dans leur camp. Et attention à ce long ballon d'Endoram qui va aller chercher Mathieu Hudol qui est bien seul. Mathieu Hudol qui va mettre un petit ballon piqué pour Papa Amadou Diallo. On est tout près du poteau de corner. Attention, le décalage vers Mathieu Hudol qui était parti dans la surface. Mais c'est bien repris par Jonathan Grady qui va mettre ce ballon directement en touche. Ça va être joué rapidement par Mathieu Hudol. Mathieu Hudol pour Diallo. Oh, le bon dribble de Diallo, le petit pont. Heureusement, il manque son centre. Ça retombe dans les bras, dans les pieds de Mikotadze. La frappe de Mikotadze. La frappe de Mikotadze. Ça fait un partout. L'international géorgien qui récupère un ballon, un centre qui semblait totalement raté. Et finalement, il frappe en une. Il était seul au point de pénalty. Il frappe du gauche. Brice Samba n'a pas bougé. Ça va directement dans la lucarne. Il était tout près du but, l'international géorgien. Et ça fait 1-1. Il inscrit son 8e but de la saison. Oh là là, que c'est cruel pour les Lensois. On le disait depuis quelques minutes, ils enchaînaient les erreurs. Ils en refont une sur ce corner, même si ils ont été surpris sans doute par ce centre de Diallo qui semblait raté, en tout cas dévissé. Et finalement, ça retombe dans les pieds du Messin Mikotadze qui est un tueur dans le but, devant le but, on le sait. Et là, ça n'a pas loupé. C'est son premier tir du match directement dans la lucarne gauche. Brice Samba qui n'a rien pu faire. Une frappe en force. Ah là là, et tout est à refaire. On le disait, les Lensois avaient fait le plus dur. Et finalement, on se retrouve dans une situation similaire à celle de la semaine dernière. Et ça fait un partout, 34 minutes de jeu ici à Metz. Ouais, il reste une heure évidemment pour aller marquer, mais il va falloir être beaucoup plus solide sur les centres et sur les coups de pied arrêtés. Mathis Caron, on en reparle dans quelques secondes. Un but partout donc entre le FC Metz et le Racing Club de Lens. Série d'ici, Laurent Dereux. Action. Ils sont de toutes origines et ont vécu près d'un siècle. Ils sont drôles, émouvants, rebelles, ce sont les vieux. Et c'est le titre du film documentaire de Claude Drexel qui est allé aux quatre coins de France, dont Salomine, à la rencontre des anciens. Claude Drexel est cette semaine dans le Nord pour présenter son film. C'est l'occasion de faire connaissance. Ce sera samedi dans Série d'ici à midi sur France Bleu Nord. Série d'ici, toute l'actu des tournages dans la région. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici. Et il est 21h35. Tous les matchs des 100 et or sont à vivre en direct sur France Bleu Nord. Le RC Lens doit tout recommencer après avoir vu Mikotadze égaliser pour le FC Metz. Un but partout, Mathis Caron, comment vont réagir les 100 et or? En tout cas, ce sont eux qui ont la balle, Adrien, et c'est assez étrange. On avait l'impression qu'on était plus proche du 2-0 que du 1-1, et finalement les Messins qui petit à petit, minute par minute, ont commencé à reprendre un peu confiance. Ils ont eu quelques corners, ils ont profité aussi des erreurs lensoises, il faut le dire, avec des pertes de balles, des erreurs sur les centres et sur les corners, on l'avait dit tout à l'heure, Adrien. Et là sur ce corner, attention peut-être avec ce bon ballon pour Frankowski dans la surface, non, finalement ce sera trop long et ce sera un corner, je crois, pour les Lensois. Non, ce sera une sortie de but pour Alexandre Okidja. Oui, je disais sur ce corner à nouveau, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la surface, mais Mikotadze me semblait bien seul. Il a pu récupérer ce ballon et il n'a pas été attaqué. Il a, je crois, eu le temps de contrôler même dans la surface de réparation vers le point de pénalty pour mettre cette frappe du gauche directement dans la lucarne de Brice Samba. Oui, il a eu le temps de contrôler, il a eu le temps même de reculer un petit peu, de changer un petit peu ses appuis et les joueurs lensois sont restés fixes. Et donc, c'est ça, il a eu tout son temps, l'attaquant Messin qui a inscrit son 8e but. Son retour qui fait vraiment beaucoup de bien. Et attention, peut-être avec le centre lensois emmené par Pereira da Costa. Il peut donner ce ballon à Wesley Saïd, ce sera récupéré. Non, il y a une faute qui est signalée sur Pereira da Costa qui a été poussé au moins de faire cette passe en profondeur pour Wesley Saïd. Pereira da Costa qu'on a du mal à trouver depuis le début de cette rencontre, qui a du mal à s'emparer de son rôle de maître à jouer. Et c'est lui qui va se charger de ce coup franc. On est à une dizaine de mètres de la surface de réparation messine. Mais les Lensois qui montent, ils vont tenter d'aller chercher second but pour repasser devant. Ah, c'est un coup de massue ça pour les Lensois. Et c'est tiré par Pereira da Costa qui va aller chercher Florence Otoka. Non, c'était Kevin Danseau qui manque cette frappe. Ça passe largement à côté des buts messins, des buts d'Alexandre Okidja.
Ukidja qui peut aller chercher Maxime Collin sur le côté droit, c'est perdu directement, c'est récupéré par la défense lensoise qui peuvent repartir à l'attaque. On est sur le côté gauche, on passe la ligne médiane, El Ainaoui pour Pereira da Costa qui va aller chercher Machado. On est à l'angle de la surface, le Colombien qui temporise, il attend un appel peut-être, il va aller provoquer et finalement il revient derrière vers Facundo Medina. On est toujours côté gauche, Facundo Medina qui va rejouer derrière vers Kevin Danso qui était resté derrière Jonathan Grady pour Florian Sotoka qui va aller rechercher Kevin Danso, l'Autrichien, dans le rond central. Allez, il faut repartir à l'attaque. Pourquoi pas mettre un but avant la mi-temps pour les Lensois. Kevin Danso qui va tenter un petit ballon piqué vers l'Ainaoui. C'est perdu directement vers la défense messine qui va dégager ce ballon maladroitement. Et c'est récupéré par les Sangayor. Avec Kevin Danso qui est tout près de la ligne médiane dans l'axe. L'Autrichien qui ne sait pas quoi faire de ce ballon. Il va aller chercher Pereira da Costa, le Portugais. Avec ce pressing des Messins toujours qui ont repris du poil de la bête depuis cette égalisation, Adrien. Mais surtout le public, j'ai l'impression. Surtout le public, exactement. Et attention avec ce contre peut-être emmené par Mathieu Hudon, le capitaine. On passe à la ligne médiane, on est tout près de la surface de réparation. Ça va très très vite. Le centre aux abords de la surface, la frappe de Diallo. Heureusement, il manque le ballon. Oh là là, c'était compliqué là. Ça allait à toute vitesse côté Messin. Mathieu Hudol qui a déboulé sur son côté gauche et il a livré un bon centre pour son attaquant aux abords de la surface. Il avait déjà armé sa frappe et finalement ça lui passe juste sous le pied. Il n'a pas pu tirer l'attaquant Messin. Et attention, un nouvel arrêtissement donc pour les Lensois. Il ne faut pas se laisser déconcentrer avec la faute de Medina peut-être. Non, c'est pas sifflé par monsieur l'arbitre. Donc les Lensois ont toujours la balle, vous l'entendez les sifflets Messin, ils n'ont pas l'air d'accord. C'est Kevin Danso qui a ce ballon. Ah, ça aurait pu être très dangereux cette action messine. Heureusement que l'attaquant messin manque son geste. Et du coup ce ballon qui est toujours pour les 100 et or, il est dans les pieds de Jonathan Grady. On est dans le camp messin. Jonathan Grady qui va aller chercher le Polonais Frankowski qui rejoue vers le défenseur El Ainaoui. Attention, ce mauvais contrôle, et c'est récupéré peut-être par Endoram. Non, contre favorable pour les Lensois. Wesley Saïd qui est tout près de la surface de réparation, il perd ce ballon finalement, il manque son contrôle et il manque son pressing également. Donc ça repart vers l'avant avec les Messins. Non, finalement il y aura une faute. Wesley Saïd a commis une faute dans le camp lorrain pour tenter de s'emparer de ce ballon. Très agressif dans son pressing aujourd'hui l'attaquant français, on le rappelle, c'est lui qui a obtenu ce pénalty tout à l'heure, transformé par Florian Sotoka qui a inscrit son sixième but de la saison. Mais un match finalement très serré, Adrien. On imaginait une domination assez nette de Lens, on l'a eu pendant quelques minutes, elle s'est concrétisée même après l'ouverture du score et finalement les Messins qui ne se sont pas laissés impressionner et depuis cette égalisation ils sont très en vue. Oui, c'est ça, mais on a surtout des Lensois qui n'ont pas su totalement prendre le dessus sur les Messins. Là. À l'heure actuelle, ils les laissent encore un petit peu trop exister dans cette rencontre. Et à l'image des matchs précédents, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'erreurs techniques assez bêtes qu'on n'a pas l'habitude de voir côté Lensois normalement. Mais c'est aussi la preuve qu'ils ne sont pas en confiance et qu'ils sont dans cette spirale négative. Et il faut en sortir, il faut marquer ce but peut-être avant la mi-temps. On le rappelle, il reste 4 minutes. On va quand même suivre ce coup franc messin. On est tout près de la surface de réparation. C'est Miko Tadze qui devrait s'en charger, le buteur messin du jour. On est côté gauche à 5-6 mètres de la surface de réparation. Deux joueurs nordistes dans le mur. Oui, c'est bien Miko Tadze qui va s'en charger, le numéro 10 lorrain. Le mur lensois qui se place. Oui, Samba qui est prêt. Alors, ça va être un peu compliqué à jouer direct. Je pense qu'ils vont le jouer en deux temps avec un centre. En tout cas, ce serait pas le bon moment pour prendre un but à 4 minutes de la mi-temps. Allez, attention, l'élan de Miko Tadze. C'est joué en deux temps et c'est directement dans les bras de Brice Samba. Miko Tadze qui a tenté d'envoyer ce ballon au second poteau. Ça fait donc toujours un but partout, 41e minute de jeu ici à Metz. Le RCN en direct, c'est maintenant sur France Bleu Nord. Bah, les Lensois qui pensent avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Florian Sotoka tout à l'heure sur pénalty sur la pelouse de Metz, puis l'égalisation de l'inévitable Miko Tadze côté Grenat, Mathis Caron. Là, il va falloir faire attention à cette fin de première période, ne pas la subir, ne pas prendre un deuxième but qui pourrait coûter cher.
C'est vrai que maintenant, Adrien, on a l'impression qu'on est plus proche du 2-1 pour les Grenats que côté Lensois. Et Lensois qui subissent, et on sent peut-être que là, ils attendent la mi-temps pour avoir un temps mort parce que ça devient assez compliqué. En tout cas, ce sont les Lensois qui ont la balle avec Medina qui est monté très haut pour donner ce ballon à Pereira da Costa sur le côté droit et qui combine avec Frankowski. On est tout près du poteau de corner. Le centre du Polonais à ras de terre et c'est dégagé par Mathieu Hudol directement dans les pieds de Jonathan Grady. Jonathan Grady qui est pressé par Georges Mikotadze mais qui va aller chercher Kevin Danseau dans le rond central. Attention à ce pressing des Grenats et à cette grosse faute côté Lorrain avec Pereira da Costa. C'est Wesley Saïd qui partait au but et qui a été fauché c'est Ismaël Traoré, pardon. Et le premier carton jaune du match. Et ça va donner un coup franc très intéressant. 2 minutes avant la mi-temps. Carton jaune pour Ismaël Traoré. Qui a fauché Wesley Saïd, qui partait sur son côté gauche, qui était tout près de la surface de réparation. Premier carton jaune donc et un coup franc très intéressant. On est à l'angle de la surface. Côté gauche. À 2 petits mètres de la surface de réparation. Ça va être compliqué encore une fois de le jouer directement, mais il y a un bon coup à jouer sur centre. En tout cas, il y a une grosse présence nordiste dans la surface de réparation. Les 11 Messins sont également dans la surface. 3 joueurs dans le mur. Et je crois que c'est Tandy Diouf qui va se charger de ce coup franc. Attention, il y a du grabuge dans la surface. Sous les sifflets Messins, il y a peut-être une faute. Oui, il y a une faute lensoise. Et carton jaune. C'est un peu sévère peut-être pour le Lensois. Je crois que c'est Jonathan Grady qui est écope d'un carton jaune pour cette petite poussette dans la surface de réparation alors qu'on attendait ce coup franc. Ce coup franc Lensois, on le rappelle, un coup franc qui peut être très dangereux. Il y a de la taille côté Lensois avec Kevin Danseau, Facundo Medina, Jonathan Grady peut-être. C'est des joueurs qui peuvent être efficaces sur coup de pied arrêté. En tout cas, l'arbitre qui discute toujours avec les différents protagonistes. Jonathan Grady qui a l'air de contester son carton jaune. Il va être absent au Vélodrome. Donc il y a de quoi, accumulation de cartons jaunes. J'en ai 3 en tête là. Face à Lyon, face au Havre et ce soir. Et c'est tiré au second poteau. Attention avec la tête d'El Aïnaoui peut-être. Non, finalement ça va être manqué. Il n'a pas eu le temps de sauter. Il a été surpris par ce ballon, sans doute le milieu de terrain lensois. Et on aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. En tout cas, ça donnera une touche, ce coup franc, une touche côté droit, tout près du poteau de corner. C'est joué rapidement par Frankowski, qui va aller chercher Jonathan Grady. Attention à ce contrôle manqué de Diouf. Et Diouf qui va commettre une grosse faute pour empêcher le contre-Messin. Il s'est accroché à Papa Amadou Diallo, qui partait au but peut-être sur ce contre. Et il l'a emmené dans sa chute. Après ce contrôle manqué de la part d'Andy Diouf. Andy Diouf qui aurait pu donner une grosse occasion avant la mi-temps et un carton jaune du coup pour le milieu de terrain. Ça fait 3 cartons jaunes dans cette partie en seulement 2 minutes. Un côté Messin, 2 côtés Lensois. Et ça c'est une faute bête de la part d'Andy Diouf. En tout cas, ce carton jaune me semble justifié, Adrien. Il l'a fait pour calmer la contre-attaque, vous le disiez. Il y avait 2 attaquants Messins qui partaient très vite et peut-être même en supériorité numérique. Exactement, et il a littéralement plaqué son vis-à-vis après avoir perdu ce ballon. Je crois que c'était l'ailier gauche Papa Amadou Diallo qui fonçait au but, accompagné par Georges Mikotadze. Et il y a un joueur Messin qui s'est fait mal, qui reste au sol. C'était pas sur cette action en tout cas, il a dû se faire ça peut-être tout seul. Il se relève finalement, mais il boite. Je crois que c'est Sané, le défenseur central Messin. Et le jeu qui est à l'arrêt pour l'instant, on le rappelle, 3 minutes de temps additionnel. Et cette erreur d'Andy Diouf, mais qui heureusement quand même a peut-être entravé une bonne occasion de but. Attention, ce coup franc qui est joué par Endoram. Endoram qui va rejoindre en arrière directement pour Sané. Sané pour Mathieu Hudol sur le côté gauche. On va passer la ligne médiane peut-être pour les Messins. Et finalement, non, on rejoue en arrière. On est dans le rond central avec Kevin Endoram qui va aller chercher de l'autre côté Maxime Collin, son latéral droit. Le long ballon de Maxime Collin qui va aller chercher Kevin Van Den Kerhoff. Un ballon directement perdu et ce sera une sortie de but pour Brice Samba. Brice Samba qui va la jouer directement vers Kevin Danseau. Il doit rester une petite minute avant le coup de sifflet de monsieur l'arbitre et la fin de cette première mi-temps.
Attention au pressing, mais c'est un Pereira da Costa qui perd ce ballon dans la surface de réparation. Attention à la frappe de Kevin Van der Kenhoff. Et c'est marqué par l'Algérien. Non, c'est Miko Tadze finalement. Le doublé pour l'international géorgien qui va aller piquer ce ballon et qui va aller tromper Brice Samba. Ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Le pire moment pour encaisser un but côté lensois avec une nouvelle perte de balle. Il les avait enchaînés depuis quelques minutes. Et là, je crois que c'est Facundo Medina qui perd ce ballon aux abords de la surface. Même dans la surface, je crois. Et Miko Tadze qui n'a pas manqué l'occasion de doubler la mise pour les Messins. Et ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Le doublé pour l'international géorgien. Oh là là, ça va être très compliqué pour les Lensois maintenant. On le rappelle, il n'y a même pas 20 minutes, les Lensois menaient au score. On pensait qu'ils avaient fait le plus dur. Et finalement, Miko Tadze qui va punir par deux fois les erreurs des Lensois. En tout cas, il faut se ressaisir absolument parce qu'il y a trop d'erreurs techniques côté Lensois. Les nordistes qui sont totalement à la rue, notamment en défense. Le pressing des Messins qui fait mouche quasiment à chaque fois. Et on sentait ce but Messin, on sentait qu'il allait venir. Et Miko Tadze qui est clinique devant le but. Les Messins qui repartent déjà à l'attaque. Attention avec Papa Madou Diallo dans la surface. Ça va très très vite. Les Lensois qui ont perdu la balle instantanément sur le coup d'envoi. Et Miko Tadze qui a envoyé un bon ballon vers son ailier gauche. Ça va très 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 vite. À l'image de ce but que les Lensois viennent de prendre. On n'a pas le temps de souffler dans ce match. En tout cas, Brice Samba qui s'empare de ce ballon. Attention, Kevin Nosso qui est pressé. Le pressing Messin qui est très intense. Il faut siffler cette mi-temps parce que là, les Lensois, ils n'y arrivent plus. Ils sont totalement déconcentrés. À l'image de Sotoka qui perd ce ballon et peut-être un nouveau contre côté Messin. On est dans le rond central finalement, on va repartir en arrière avec Ismaël Traoré. Ça va très très vite et c'est sifflé finalement. C'est la fin de cette première mi-temps. Ça fait 2-1 pour les Messins. On rappelle, à la 13e minute de jeu, c'est Sotoka qui avait ouvert le score pour les Lensois. On pensait qu'ils étaient en maîtrise et finalement Miko Tadze qui vient punir par deux fois Brice Samba sur des erreurs très bêtes, des pertes de balles qui s'enchaînent. Un premier but sur corner, un corner joué en deux temps. Et ce second but sur une erreur individuelle de Facundo Medina dans sa surface de réparation. Et c'est Miko Tadze qui vient inscrire deux buts dans cette première mi-temps. Une mi-temps riche en buts, mais inquiétante pour le RC Lens. Inquiétante, effectivement, pour le RC Lens. C'est le mot, Baptiste Carrois, tout à l'heure pour la deuxième période de cette affiche entre le FC Metz et le Racing Club de Lens. Match d'ouverture de la 29e journée de Ligue 1 au classement. À la mi-temps de cette rencontre, Lens reste 6e, 43 points. Et voit d'un coup Reims, Marseille et Rennes juste derrière comme des concurrents beaucoup plus sérieux s'ils prennent des points durant le week-end. Et puis du côté du FC Metz, on respire un petit peu à égalité désormais avec Lorient. Ça ne se jouerait qu'à la différence de but pour rester relégable à donc deux buts de cette place de 16e et de barragiste de Ligue 1. Même à la mi-temps, l'infosport continue. Je sais. Et vous, quel est votre lien avec RMC ? Personnellement, je suis un grand fan de sport. J'ai le plaisir de pouvoir être avec les GG du sport régulièrement, pouvoir échanger avec des sportifs de haut niveau, échanger, partager nos opinions. C'est toujours quelque chose de plaisant et d'agréable. Pendant 2h30, avec Jean-Christophe Drouet, des sportifs avec de très grandes gueules refont le monde du sport sans langue de bois. Les grandes gueules du sport, tous les week-ends, 9h30 midi sur RMC. Gauche, droite, gauche, gauche. Tu fais quoi là ? Écoute, je swipe sur l'appli Betson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betson. Télécharge l'appli Betson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue. Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Du 10 au 12 mai, le Grand Prix de France Moto vous attend au Mans avec RMC. Nouveau défi pour les Français face aux meilleurs pilotes MotoGP. Johan Zarco doit réussir avec sa Honda et Fabio Quartararo vise un retour au sommet. Reza sur gpfrancemoto.com. Du sport, du spectacle, des animations et des émotions. Du 10 au 12 mai sur le circuit du Mans avec RMC. J'ai besoin d'une formation qui me permettrait de développer mon activité, mais ma trésorerie est un peu serrée. Mais attends, tu es bien comme moi, chef d'entreprise artisanale avec un statut de non-salarié ? Oui, pourquoi ? Bah, parce que justement, tu contribues, tu peux demander une aide financière du FAFCEA. Va voir sur leur site fafcea.com ou contacte l'organisation professionnelle représentative de ton métier qui pourra t'aider. Du 21 au 27 avril, RMC présente le Tour Auto. Après deux jours d'exposition Porte de Versailles, près de 240 voitures mythiques prennent la route de Biarritz
Biarritz, en passant par la Grange de Mêlée à Tours, Limoges, Carcassonne et Pau. Info sur tourauto.com. Rendez-vous pour une semaine de passion automobile à travers la France du 21 au 27 avril avec RMC. Après la prison, dialogue avec mon agresseur. La Croix-l'Hebdo vous dévoile les coulisses de la justice restaurative. Pour la première fois en France, une journaliste a suivi pendant 2 ans l'histoire d'un père et d'une fille séparés pour violence intrafamiliale. À l'occasion du lancement d'une nouvelle formule du magazine, la Croix-l'Hebdo réitère son engagement d'offrir un espace de réflexion unique au cœur de l'actualité. Retrouvez de nouvelles rubriques, rendez-vous et chroniqueurs qui vous entraînent dans des récits intimes ou des sujets de société. La Croix-l'Hebdo, en vente chez votre marchand de journaux. En ce moment, au musée Marmottan-Monet avec RMC, temps de loisirs, de l'exploit et du spectacle. Dans les stades, sur le ring ou le long des rivières, les sports inspirent visions et formes aux artistes. Découvrez l'exposition En jeu, les artistes et le sport, 1870-1930. Au musée Marmottan-Monet jusqu'au 1er septembre avec RMC. Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. RMC, l'After Live. François Pinet. 21h53 sur RMC, c'est la mi-temps entre Metz et Lens, 29e journée de Ligue 1 et pour l'instant les Messins créent la surprise en menant 2-1 face à Lens. Un doublé de Georges Mikotadze a répondu à l'ouverture du score par Sotoka sur pénalty. On va en parler bien évidemment dans cette mi-temps. Juste avant, je voulais vous dire que mercredi prochain nous serons à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris et qu'à cette occasion RMC vous offre 100 places pour les JO dès aujourd'hui. Dans chaque émission de RMC, vous pouvez remporter vos 2 places pour assister aux épreuves des JO. Il y a des places pour la cérémonie d'ouverture, pour la finale du 100 mètres en athlée, pour du judo, pour le tennis de table, pour la natation. Bref, énormément de places à vous offrir. Il faut pour ça envoyer dès maintenant Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Et j'en profite également pour vous dire que la semaine prochaine sera exceptionnelle sur RMC à 100 jours des JO avec dès lundi Emmanuel Macron, invité exceptionnel de RMC et de BFM Télé. Ça sera de 8h20 à 9h. Le président qui répondra aux questions d'Apolline de Malherbe, des auditeurs d'RMC et de nos consultants JO, David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet. Donc si vous voulez poser vos questions au président de la République, il y a une adresse à retenir, c'est vosquestions@rmc.fr. vosquestions@rmc.fr et le 32-16 bien sûr dès lundi. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Allez, tout de suite, on va revenir sur ce Metz-Lens et on va parier tout de suite. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Avec Christophe Payet qui nous avait vu une victoire lensoise, facile, face à des Messins pour l'instant. On le rappelle, 2-1 pour Metz à la mi-temps face à Lens, Christophe. Exactement, mais bon, comme tu le sais très bien, hein, les matchs durent 90 minutes, bien non 45. je vais proposer, parce que, alors effectivement, il y a Mikotadze qui est juste extraordinaire. Il a mis 2 buts fabuleux et heureusement qu'il est là pour Metz. Mais je pense que sur la durée, Lens ne perdra pas. Donc je vous propose 3-2 pour Lens ou 2-2, score exact multichance. C'est coté à 2,15. Admettons, vous mettez 10 euros, vous en gagnez 21,50. Mm-hmm. Et pour se couvrir, vous mettez 2 euros sur Mikotadze triplé, qui est coté à 6. Ah. Comme ça, au moins, vous pouvez gagner quand même de l'argent, même si mon prono sur Lens n'est pas bon. Il est chaud, Mikotadze. Qu'est-ce que tu vois pour cette deuxième période, Lionel? Je vois que je vais perdre 8 balles parce que si je joue 2 euros sur une cote à 6, j'aurais gagné 12 balles. Mais de l'autre côté, j'en perds 20. Non, 10 euros. Oh. Qu'est-ce que je vois? Non, je suis d'accord avec Christophe. 100%. Okay. C'est-à-dire que Lens est au-dessus. Alors je ne sais pas si on peut jouer les Lensois marque le prochain but. Non, en fait, pour l'instant là, parce que c'est la mi-temps, d'accord. C'est pas proposé. D'accord. Très bien. C'est noté. On verra ça bien sûr à la fin de la rencontre. Et vous, Monsieur Pinet, vous voyez quoi pour vos points? Moi, je vois qu'à Mikotadze, moi j'avais mis but de Mikotadze. Je trouvais que c'était vraiment une très très belle cote. Le triplé, tu tentes. Donc le triplé, je le mets.
6. Voilà, pourquoi pas. Allez, d'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il y en a un qui ne veut pas voir de triplé de Nicotas. Je suis sûr, c'est Marco qui est au 32-16 avec nous, supporter lensois. Salut Marco. Salut messieurs. Bonsoir Marco. Alors on a beaucoup parlé effectivement de cette surprenante équipe Messine qui a réussi à revenir dans la rencontre. Qu'est-ce que tu penses toi de ton équipe de Lens qui, on le rappelle, reste sur 3 matchs sans victoire, hein, qui est dominée pour l'instant au score en tout cas? Je pense qu'il faut faire des changements tout simplement, enfin, que Franck Haise s'appuie sur son banc de touche et que le banc de touche réponde à un moment donné. Ouais. Tu ferais quoi comme changement par exemple? Moi je mettrais Thomasson. Thomasson, il nous a fait des super matchs en début de saison. Je pense que ça perdait un peu la confiance du coach sur certains matchs. Maintenant, lui montrer de nous montrer la voie. Des joueurs offensifs, Wahi aussi, non? Il peut marquer, voilà, Wahi, ouais. Pareil. Bien sûr, mais s'il est un peu diminué, il va sans doute rentrer, sans doute. Moi, je pense. Moi, je pense qu'on peut faire une deuxième mi-temps. C'est pas fini, mais tant qu'on se réveille, on arrête de jouer à la bavole, quoi. Est-ce que j'allais te poser comme question, est-ce que tu penses pas que ils ont été un petit peu faciles? Je les ai trouvés à 1-0. Tout allait bien. Bonne entame, enfin entame de match après 5 minutes, qui étaient quand même les 5 premières minutes Messine. Ensuite, Lens a mis le pied sur le ballon, a ouvert le score logiquement. Et puis derrière ça, ils sont amusés. Ils ont joué trop facile, je trouve, et ils se sont fait prendre par des joueurs, une équipe qui joue le maintien. Tout à fait, ils ont le couteau entre les dents, ils répondent présent, ils ont eu deux contre dans le match, ils nous ont mis au fond, mais Kotate, c'est un gros match, hein, parce qu'il a eu trois ballons, il y a eu des fautes non sifflées sur lui, il faut être très honnête qu'il est plutôt en réussite en ce moment en plus. Donc, mais tant mieux pour Metz, hein, c'est le jeu, voilà, c'est le football. Maintenant, il reste une deuxième mi-temps à nous montrer nos armes et nos valeurs sur le terrain. T'avais quel âge en 98, Marco? Moi j'étais tout jeune, je vais entre 12 et 13 ans. Donc t'as quand même vécu le titre. Oui, tout à fait. Tu t'en souviens? Je m'en souviens très très bien. J'ai fini sur le toit d'un 4x4. Exactement. Dans les rues de Lens. On n'était pas copains à ce moment-là. Hein, voilà. J'étais un peu plus jeune que toi. Mais moi j'ai de la famille dans l'Est. C'est un plaisir toujours de se taquiner. Bien sûr. Supporter Messin aussi. Hein. Ça reste une affiche historique. J'aime beaucoup le FMS avec les Totons Flingueurs, les Toulouse Vires, bien sûr. Les Elias de l'époque. Voilà. Il y avait une belle équipe. Merci beaucoup, Marco, en tout cas, d'être passé. Merci à vous, messieurs. Et tu reviens quand tu veux dans l'after, peut-être à la fin de la rencontre, bien sûr. Avec grand plaisir. Dès la fin du match, vous pouvez appeler au 32-16, supporter Messin, supporter Lensois. Ça sera avec Lionel Charbonnier, avec Kevin Diaz. Tout ça commandé de main de maître par Nicolas Jamin, juste après la fin de la deuxième période entre Metz et Lens. Deuxième période qui va reprendre dans un instant. Donc, on vous attend en direct sur RMC, en direct sur YouTube également pour cette soirée de foot et de Ligue 1. 29e journée à suivre sur RMC. À tout de suite. RMC, l'After Live. L'After Foot sur RMC avec Free, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et son application Free Ligue 1, disponible sur Apple et Android. Tous les samedis de 13h à 14h, c'est les courses RMC. Une heure dédiée aux courses hippiques avec les experts de la Dream Team Sport RMC. Les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, tous les samedis 13h 14h avec PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les amis, c'est Alexandre Ruiz. Si vous êtes fan de la Ligue 1 Uber Eats, téléchargez l'application Free Ligue 1. Car lors de chaque journée de championnat, quel que soit votre opérateur, vous avez la possibilité de voir sur vos téléphones, en quasi-direct, tous les buts des 10 matchs. Et ensuite, tous les résumés de chaque rencontre quelques minutes après le coup de sifflet final. Et ça, c'est gratuit sur l'application Free Ligue 1. L'appli est donc disponible tout opérateur gratuitement sur mobile Android et iOS. Accès libre aux rubriques buts et résumés hors coût de connexion. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur free.fr. À tous ceux qui aiment leurs fraises avec du sucre, à ceux qui les aiment avec de la chantilly, à ceux qui les préfèrent en confiture et à celle qui les aime juste parce qu'elle est enceinte, qu'il est 3h du matin et qu'elle a envie de réveiller son mari. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 250 g de fraises Garriguette ou Sifflorette Origine France à seulement 2,45€. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 9,80€ le kilo, catégorie 1. À 100 jours des Jeux de Paris 2024, Le Parisien est aujourd'hui en France vous propose un numéro exceptionnel. Cérémonie d'ouverture, transport, qualification, chance de médaille, plongez dans la préparation des Jeux. Et découvrez dans notre supplément de 24 pages les 100 Français qui vont faire briller ces Jeux. Athlètes, politiques, partenaires. Un numéro spécial du Parisien aujourd'hui en France à retrouver dès mercredi dans votre point de vente habituel. Eh ben dis donc, elles sont vraiment belles tes nouvelles lunettes. Oui, elles sont même magiques. Regarde, je change de clip et toc, j'ai de nouvelles lunettes. Et le prix ? Magique aussi, 29€ le clip. Ah bah dis donc, il est vraiment magique à Flelou. Hein. Vos Magic Clip, à partir de 29€. À Flelou, c'est vraiment le bon choix. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Après la prison, dialogue avec mon agresseur. La Croix-l'Hebdo vous dévoile les coulisses de la justice restaurative. Pour la première fois en France, une journaliste a suivi pendant 2 ans l'histoire d'un père et d'une fille séparés pour violence intrafamiliale. À l'occasion du lancement d'une nouvelle formule du magazine, La Croix-l'Hebdo réitère son engagement d'offrir un espace de réflexion unique au cœur de l'actualité. Retrouvez de nouvelles rubriques, rendez-vous et chroniqueurs qui vous entraînent dans des récits intimes ou des sujets de société. La Croix-l'Hebdo, en vente chez votre marchand de journaux. Gauche, droite, gauche, gauche. Tu fais quoi là ? Écoute, je swipe sur l'appli Betson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et... je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betson. Télécharge l'appli Betson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue. Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. On sait que pour certains, les temps de chargement... ça peut paraître très long. Alors qu'avec la 5G Orange... ça va à une vitesse. Un peu comme les 5 jours 5G en fait. Donc ne les ratez pas. Comme ça, du 11 au 17 avril, vous pourrez économiser jusqu'à 400€ sur une sélection de téléphones 5G, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone. Reçu 5 sur 5. Orange est là. 5G uniquement aux zones déployées avec offre compatible. Couverture détaillée sur réseau.orange.fr, conditions en boutique Orange et sur orange.fr. RMC, l'After Live. François Pinet. 22h04 sur RMC, c'est reparti à Saint-Symphorien avec Lionel Charbonnier pour la deuxième période de Metz face à Lens, 2-1 pour les Messins face aux Lensois. Au commentaire Aurélien Tirsin et Patrick Muller de retour bien sûr. Et le carton jaune contre Daver Machado sur une des premières offensives messines. Il aurait même pu prendre une autre couleur, quand même une cheville bien écrasée de Kevin Van den Kerkhoff. Et les Messins qui mènent 2-1, qui étaient menés à 1-0 au début du match, mais un doublé fantastique de Miko Tadze. Et là encore Van den Kerkhoff qui va transmettre à Arthur Atta, dégagé par les Lensois. Il y a faute quand même. Il y a faute. Ouais, il y avait faute. Et c'est Machado encore, non? Probablement, c'est Sazo dans tous les cas. En tout cas, c'est, ouais, c'est pas Machado. C'est Machado. Ouais, c'est Machado. C'est Machado, mais les Messins, ils sont revenus aussi bien qu'ils étaient partis. Exactement. Au Messia. Ouais, pas ouais, de changement c'est vrai. Hein, dans les deux équipes. Non, a priori, non, je ne crois pas. Avec là un bon relais et. Kevin Endo à l'entrée de la surface de réparation. La frappe, elle est contrée par David Pereira d'Acosta. Elenaoui qui essaie de relancer les Lensois avec Andy Diouf qui va se faire prendre le ballon. C'est plus les mêmes Messins. C'est plus du tout la même équipe du FC Metz avec Kevin Doram sur la droite pour Georges Mikotadze. 30 mètres, il va frapper, il a peur de rien. Les deux points de Brice Samba. Ouais, ça revient dans les pieds de Kevin Van den Kerkhoff et Machado va toucher le ballon de la tête et concéder une touche sur la droite. 47 minutes, 2-1 pour Metz. Et Miko Tadze, il a envie de frapper dès qu'il a le ballon. Mais c'est cadré à chaque fois. Tu as raison Aurélien, c'est un autre match qui a commencé avec ses buts de Georges Miko Tadze. On sent les Lensois qui doutent, les Lensois qui commettent des fautes. D'ailleurs Van den Kerkhoff là se relève assez douloureusement. Et moi j'insiste avec un joueur messin quand même, hein, c'est ce jeune Papa Diallo. Ouais. Qui fait des gestes techniques, qui fait c'est des différences à chaque fois. Hein. Effectivement, il t'a bien plu toi Diallo sur la première période aussi. Ah oui. Moi aujourd'hui là tu me demandes, il y a deux joueurs à Metz qu'il faut prendre pour une équipe qui monte en Ligue 1, si tu vois ce que je veux dire, je prends Diallo et Miko Tadze. Je crois que t'allais dire Oukidja. Mais le petit Diallo, 19 ans, c'est hyper intéressant. Ça n'existe plus. Oui, mais Lionel, il faut nous donner Gauthier Hein, alors dans l'autre sens. Ah non, c'est tu possible. Peux pas. Non, tu peux pas. D'accord. Je tente, hein. La touche pour les Lensois d'Ever Machado. Il en était question pendant un moment, non? Oui, 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 ça s'est pas fait. Attends, Hein à Metz, pas Miko Tadze à Auxerre, parce que ah là, non, j'y crois non, pas. Là, ah non, c'est moins crédible. Ouais, j'y crois moyen. Non, de Hein à Metz. Et Machado, c'est pas le retour du siècle pour l'international colombien, mais il a été blessé pendant très très longtemps, pendant plus de 3-4 mois. Et il était rentré la semaine passée contre Le Havre pour ses premières minutes depuis 2024.
et sa première titularisation pour l'instant elle est compliquée. Ça permettait aussi à Frankowski de passer à droite, mais bon, c'est pas une grande réussite côté Lensois. Le centre de Vanden Kerckhove contré par Facundo Medina qui va dégager avec son pied gauche récupéré ou par le nez de Kevin Doram. Le contrôle il est pas bon du coup et ça repart en contre pour les Lensois avec Florian Sotoka sur le côté gauche à l'appel d'El Aïnaoui, mais Sotoka va repasser dans l'axe et il n'y a plus beaucoup de support de la part des Lensois. David Pereira da Costa, il va centrer deuxième poteau et là Oukidja il a bien parlé à ses défenseurs, à Mathieu Hudol. C'est capté, c'est rassurant. 2-1 pour le FC Metz après 49 minutes et 15 secondes de jouer. Oui, parce que sur ce genre de ballon, des fois, il met les points. Il peut mettre les points. Ouais, il boxe, c'est vrai. Et par contre, Aurélien, moi, je suis déçu parce qu'il y a un gros changement quand même. Il y a eu un changement à Metz. Alors, non, cherche pas. Non, cherchez pas. Là, il essaye de vous piéger. En fin de compte, c'est Endoram qui est rentré, qui joue beaucoup, qui est rentré dans le milieu du terrain, qui joue beaucoup plus haut. Parce que, mais c'est parce que t'as appelé Laszlo, ça. Je sais pas, mais tu l'as vu quand même, Pat. Oui, mais alors. Au début du match, il était au milieu de ses deux défenseurs, ce qui faisait une défense à 5. Et là, depuis qu'il y a eu le but, depuis qu'ils ont pris le but, il a joué beaucoup plus haut. Il est venu chercher, il s'est mis dans le milieu, dans le cœur du jeu messin. Et ça, c'est un vrai changement. Là, il redescend plus comme tout à l'heure. Oui, il est monté d'un cran, c'est vrai, pour former. Ça fait du bien. Hein. Oui, ce duo avec Daniel Jean-Jacques. Mais si tu penses tout à l'heure à ce contrôle raté, c'est quand même rageant parce qu'il a tout le temps. Alors ok, une erreur, mais il a le temps pour jauger le ballon, pour faire la poitrine tranquillement, et derrière ça a occasionné une situation pour les Lensois. Donc il faut qu'il soit régulier sur tout un match, et c'est ce qui manque depuis qu'il est à Metz, ce garçon. On sent qu'il y a du talent, mais il est inconstant. Moi je voulais juste parler de sa position, qui était beaucoup plus offensif que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, et ça change beaucoup de choses pour le milieu de terrain Lensois, qui passe beaucoup moins, qui est pressé beaucoup plus haut. La récupération de Wesley Saïd côté Lensois, dégagé par Ismaël Traoré, et 2-1 pour les Messins. Les Messins qui reviendraient à hauteur du Football Club de Lorient comme barragiste de cette Ligue 1, et ça donnerait vraiment de l'espoir. Et qui va au Havre la semaine prochaine. Exactement, ouais. Et attention à Miko Tadze qui est resté au sol, il se touche le genou gauche, il a été. Une intervention de Medina. Ouais, touché par l'international argentin. 51 minutes de jeu, 2-1 pour le FC Metz. Bon, alors est-ce que c'est un petit peu de bluff? Ouais, il s'est relevé, mais s'il devait sortir sur blessure dans le sprint final du championnat, ça serait vraiment une énorme mauvaise nouvelle pour Laszlo Bologni, qui s'est fait un petit peu bouger par les supporters messins. Une petite banderole en référence, j'imagine, à l'altercation avec Oukidja. En gros, l'incompétent au club c'est toi, donc respecte un peu le club. Bon, ça se passe pas très bien entre l'entraîneur roumain et les supporters messins en cette fin de saison. Je regarde un petit peu la feuille de match messine sur le banc. Si Miko Tadze devait avoir un souci, alors pour ce match et surtout pour le sprint final, il n'y a pas beaucoup de solutions de remplacement. Éventuellement Lamkelze en pointe, mais c'est pas du tout la même manière de jouer. Tu vas retrouver le FC Metz sans Miko Tadze quand il était blessé à moins d'un but par match. Ouais. Bon, il est là, Miko Tadze. Alors c'est un centre tir. On a la sensation, pardon, que c'est un centre, mais à l'arrivée ça se termine entre les deux poteaux, mais 10 mètres au-dessus des cages de la barre transversale de Brice Samba, et on en reste à 2-1 pour le FC Metz. Mais on pensait que c'était un petit trou d'air pour les Lensois. Ça fait quand même un moment que ça dure, et on n'arrive pas à trouver les attaquants. Il se passe vraiment plus grand chose dans cette équipe sans Yor. Et on sent qu'on est à un moment charnière un peu là. Ça fait 8 buts encaissés en 4 rencontres pour Lens, on le rappelle, qui reste sur 3 matchs sans victoire avec une défaite. Ils avaient encaissé 3 buts contre Nice à domicile, 3-1, une défaite à Lille 2-1, et puis ce match nul la semaine dernière contre le Havre, un but partout. Ils encaissent pas mal de buts. Ouais, et le 3-2 contre Monaco juste avant aussi, François. Ouais, tout à fait. Avec Nel Aïnaoui sur le côté droit pour Jonathan Gradit. Florian Sotoka qui joue dans le cœur du jeu désormais. Il écarte pour Daver Machado. La déviation, elle est un petit peu ratée, mais Wesley Saïd peut récupérer. Il va frapper de 25 mètres. Wesley Saïd, ça passe au-dessus du but d'Alexandre Oukidja. 2-1 toujours pour le FC Metz. Les Messins, les Grenats, 17e du championnat, mais là ça sera vraiment une victoire très 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 intéressante, et en tout cas qui remotiverait tout le monde avant la fin du championnat. Il reste beaucoup de temps, 37 minutes dans cette partie. Ils peuvent aussi totalement se perdre et se noyer en quelques minutes, on l'a vu en première période, mais pour l'instant c'est quand même assez encourageant. Ouais, c'est un peu un classique. Alors c'est pas ce qu'on leur souhaite, bien évidemment, un classique de la saison, hein, cette capacité qu'ont les Messins à parfois s'écrouler dans une rencontre. On a beaucoup moins vu souvent des retournements de situation comme celui qu'ils sont en train de réussir. Ça peut être plutôt bon signe. Et 23 points après 28 journées,
c'est 19, c'est arrivé à 19 équipes en Ligue 1 depuis le passage de la victoire à 3 points, et une seule s'est maintenue. Martigues. C'était Martigues, exactement, mais après une descente administrative de l'OM. Donc en fait, aucune équipe ne s'est maintenue avec ce total de points après 28 matchs. Personne. Ouais. Donc ce serait un exploit de la part du FC Metz. Voilà, il faut se réjouir là où on peut. Ouais. Quand on vit des saisons comme les vôtres. Ils ont enchaîné 25 matchs sans défaite, mais l'année dernière en Ligue 2. Hein. Donc bon, les records et les belles séries, ils connaissent. Hein. Bon, 2 buts à 1, et pour l'instant, les 3 points côté Messin. Et les Lensois n'arrivent vraiment pas à inverser la tendance du match. Et là, c'est Papa Amadou Diallo qui reste au sol après un contact avec Frankowski. Ça ira quand même pour le jeune Sénégalais. Et Alexandre Oukidja va prendre tout son temps pour dégager. 2 buts à 1 pour les Messins. Tiens, puisque c'est un petit peu un temps mort dans cette rencontre, le fameux quiz pour tous ceux qui nous écoutent sur RMC. Et puis sur YouTube, vous pouvez jouer aussi sur le chat. Lionel, il connaît puisque c'est sa génération. Tu te souviens de déjà, est-ce que vous connaissez, alors Patrick qui sait, le score de Metz-Lens justement lors de cette formidable épopée 97-98? Pas du tout. Les Lensois gagnent 2-1. À Saint-Symphorien. 2-0, Patrick. 2-0, ouais, bon, d'accord. Qui marque? C'est un seul joueur qui marque un doublé. Non, Drobniak. Tu te souviens de Drobniak? Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Serbe, voilà. Est-ce que tu peux me citer aussi les joueurs de Lens de ce match-là? Le gardien lensois. Le gardien, c'était Letizy. De Metz. Ah. Mais de Lens, c'est Warmuz. Ah, c'est Guillaume. Qui était avec moi. On a fait l'équipe de France à prime tous les deux. Exactement. À ce moment-là. Exactement. Et puis parmi les champions lensois, est-ce que vous avez, t'as quelques noms? Il y avait Pierre Lègue. Il y avait Pierre Lègue, ouais, tout à fait. Il y avait, comment il s'appelle, Jean-Guy. Jean-Guy Wallem, bien sûr, en défense. Sicora, bravo. Tony Vérel. Il y avait des beaux joueurs. Hein. Ouais. Au milieu, il y avait Smisser. Bien sûr. Un grand blond qui a joué au PSG à Marseille aussi. DU, bravo. Allez, on va suivre le corner. Corner pour les Messins. 2 buts 1 pour les Mosellans. 55 minutes de jouer. Vandenkerkhoff de la gauche vers la droite. C'est tiré long. Il y avait Miko Tadze qui s'était préparé pour une énième reprise. Mais faute sur Kevin Danso de la part d'un milieu Messin. Et Brice Samba va pouvoir dégager parce qu'il a envie de connaître la suite du quiz. Exactement. Non, mais après, effectivement, dans cette équipe lensoise, il y avait aussi Zia qui était d'ailleurs titulaire à Saint-Symphorien. Et puis Daniel Morera, non? Et puis Foé. Morera, c'est l'année d'après, ça. Non, c'est après, ouais, il me semble. Et Wagnon Eloi, il n'est pas encore arrivé? Non. Il me semble qu'il fait partie de l'équipe championne de la France. La reprise de Wesley Saïd, il est sur les talons, c'est reprise moi qui du gauche. Question, monsieur. Et ça s'envole encore une fois au-dessus des cages de Kidja. Le score, on va le répéter beaucoup, mais ça fera plaisir aux supporters messins qui n'ont pas l'habitude. 2 buts 1 pour les Grenats. 56 minutes et 30 secondes. Normal, c'est de bonne guerre. Bah non, 2 victoires dans la saison à domicile. Là, battre Lens, ce serait une vraie performance parce que pour l'instant, il n'y a que Nantes et Clermont qui sont tombés, donc des concurrents directs au maintien. Attends, contre Lens, ça fait 6 sur 6. Hein. En plus, c'est vrai qu'en plus, il y a une vraie tradition ces dernières saisons, puisque Metz, sur les 6 derniers Metz-Lens, que ce soit à Bollard ou ici à Saint-Symphorien, c'est 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Donc finalement, c'est plutôt le FC Metz qui a l'avantage sur les Lensois en Ligue 1 ces dernières saisons. Et Lens n'a pas gagné ici en Ligue 1 depuis 16 ans, depuis 2007-2008, une année qui se termine en Ligue 2 pour les 100 ailleurs. Ouais. Donc effectivement, c'est pas forcément un terrain simple pour les Lensois. Et puis pour Metz, alors 98, là, vous l'avez l'équipe type là? Letizy, Kasten Dutch, Pouget, Pires, Pascal alors, Pierre. C'est faux, Pouget n'a pas les été dans cette équipe. Flingueur, non, c'est avant 98. Exactement. Bon, après j'avais 7 ans, alors je vais pas me faire engueuler. 96. Ouais. Je crois qu'il est parti au Servette Genève, Pouget, c'est ça. Voilà. Et c'est Rodriguez qui est en attaque. Bruno Rodriguez, bien sûr. Il y a Lukic aussi. Vladan Lukic qui a arrêté sa carrière pour rejoindre l'armée après cette année-là ou en 99, parce qu'il y avait ce conflit d'Annie Boffin. Frédéric Mérieux, Rigobert Song en défense. Dany Boffin. C'est Pierre et Gaillot. Ah oui, Gaillot. Ah oui. Voilà. Pierre côté droit et Gaillot côté gauche. Puis c'est Redou Blanchard en défense. Blanchard qui avait signé à la Juve l'année d'après. Avant de rejoindre Lens également. Bon, sinon il y a un match. Hein, mais les Lensois n'arrivent pas. Et le contre Messin avec Georges Mikotadze face à Jonathan Granit. Il va ralentir le Géorgien. Le bon retour des Lensois. Et Leinaoui, heureusement, il perd pas le ballon. Il va redonner à Granit sur le côté. Et il y aura du changement. Quadruple même. Ouais, voilà. Wai, Fulgini, Thomasson et Chavez
vont faire leur entrée côté Lensois. Alors là, ah oui, 4 changements d'un coup à l'heure de jeu, ça va changer totalement le visage de cette équipe, lensoise, sorti qui ne respire plus beaucoup. Le centre de Sotoka, la tête défensive de Traoré, elle était vraiment limite et c'est récupéré par Facundo Medina à gauche de la surface de réparation. Mais Mikel Tadze qui vient défendre. Il est partout, géorgien, il est venu s'arracher. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas s'il peut tenir 90 minutes comme ça. Il a intérêt pour les médecins. Il n'y a pas trop de plan B. Lui, s'il se blesse, je peux te dire, c'est pas bien. Ah oui, là, c'est la catastrophe. Alors, les amis, on va profiter de ce moment de changement pour faire une petite pause. On revient dans un instant, vous l'avez compris, avec Lionel Charbonnier, avec Aurélien Tirsain et Patrick Muller en direct du stade Saint-Symphorien. Metz qui mène 2-1 face à Lens en ouverture de la 29e journée. Et vous ne raterez rien, bien sûr, en restant sur RMC. A tout de suite. RMC, l'After Live. Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Tout près du poteau de corner, mais avant il y aura ce quadruple changement côté Lensois avec l'entrée de Wesley Saïd, l'entrée de Fulgini, l'entrée de Thomasson. Et je ne vois pas le dernier numéro. En tout cas, beaucoup de... Wesley Saïd est sorti, Andy Diouf est sorti, Jonathan Grady est sorti. Ça fait beaucoup de changements. Vraiment, Francaise veut un nouveau départ dans ce match. 4 changements d'un coup. C'est assez rare. Chavez est rentré, c'est ça. Ça fait donc 4 changements. On va voir si ça peut permettre à cette équipe lensoise de revenir dans le match. C'est Jonathan Grady qui cède sa place à Thomasson. C'est Wesley Saïd qui cède sa place à Eli Wahi. Et Fulgini est entré donc à la place de... J'ai un doute. En tout cas, l'équipe est vraiment totalement remaniée pour la suite de cette rencontre. Et ça fait toujours 2-1 quand même pour Metz. Ouais, il reste une demi-heure de jeu. Il va falloir faire beaucoup mieux dans cette dernière demi-heure, évidemment, que l'on suivra en direct sur l'antenne de France Bleu Nord. On débriefera tout ça également tout à l'heure. Pour l'instant, le RC Lens fait du sur place. Le RC Lens est en passe de faire 4 matchs consécutifs sans victoire. France Bleu présente Où les talents, le grand concours musical 100% Hauts-de-France. Vous êtes chanteuse et chanteur en solo ou en groupe. Participez à la 2e édition de Où les talents et devenez la révélation 2024 des Hauts-de-France lors de la grande finale le 11 juin en public à Mégacité Amiens. Où les talents, l'événement musical et régional 100% Hauts-de-France sur France Bleu. Infos et inscriptions dès maintenant sur francebleu.fr. Tous les matchs des 100 et or sont à vivre en direct sur France Bleu Nord. Le RC Lens attaque cette dernière demi-heure avec un quadruple changement. Francaise n'était pas satisfait de son 11 de départ. 4 changements. Fulgini, Thomasson, Chavez et surtout Eli Wahi viennent de rentrer en jeu. Je vois le visage de Francaise là chez nos confrères de Prime Vidéo, diffuseur officiel Mathis Caron. Il n'est pas... Content l'entraîneur lensois, ce quadruple changement est un gros message quand même. J'ai même l'impression que tactiquement on a changé de cette fameuse défense à 3 ou à 5. Oui, et je vous coupe Adrien, on est passé pas très loin du tronc Francaise, mais là peut-être qu'il faut vraiment tout changer pour se remettre la tête à l'endroit. Ouais, alors c'est... Oui, tu peux changer. Oh, wow, la prise de Thomasson de 50 mètres, allez, de 40 mètres, la sortie d'Oukidja, il s'embrouille avec Ismaël Traoré, avec leur défenseur, ils se sont pas compris, et Thomasson, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas assuré. C'est il une balle a pas en assuré. Une balle en profondeur dans le dos de la défense, entre la défense Messine et Oukidja, et Oukidja sort au niveau de l'arc de cercle de ses 16 mètres, alors qu'il a son défenseur qui est dessus. D'ailleurs, il s'embrouille avec son défenseur. Mais ouais, non, mais lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que Thomasson, il est tout proche, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, d'égaliser. Hein. Ah bah oui, parce que derrière c'est Thomasson qui récupère la balle au milieu de terrain et qui la reprend directement. Il peut directement. Faire mieux quand même, Thomasson, mais, peut-être. Mais Lionel, qui doit parler à qui sur cette situation? Pour moi, Oukidja ne doit pas y aller. Il doit surtout pas embêter son défenseur pour faire un geste technique qui était somme toute banal à faire.
Et donc Oukidjan ne doit pas y aller, il ne doit pas embêter son joueur et le perturber comme ça au moment où il fait son geste technique. Oui, parce qu'il y a pas de, il peut pas prendre le ballon à la main et un défenseur, enfin, il n'y a aucune raison pour le gardien de sortir à 25 mètres. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Oukidja fait le travail des défenseurs et derrière il n'est même pas là pour prendre les ballons à la main. Bon, là il l'a pris à la main très bien. Le centre Trankowski bien capté par Alexandre Oukidja. Ouais, François il le prend aussi celui-là. 26 minutes et 30 secondes encore à tenir pour les Messins. Ce serait 3 points vraiment exceptionnels obtenus face au Lensois pour recoller au FC Lorient 16e et barragiste. J'imagine Patrick ici à Metz. Être barragiste déjà, ce serait vraiment une bonne nouvelle dans cette saison galère. Ah bah oui, c'est l'objectif sans doute le plus raisonnablement atteignable. Encore que hein, finalement Nantes n'est plus qu'à un point. Hein, si on en reste là, mais barragiste c'est l'objectif, même si officiellement on nous parle de le ballon piqué par Diallo, le N2 avec Mikota et Diallo qui va rentrer dans la surface, la frappe c'est contré par Kevin Danso. Attention Arthur Atta au milieu du jeu qui va perdre le ballon, c'est récupéré par Maxime Collin, le latéral droit, le petit ballon piqué d'Atta vers le latéral, mais ça il va obtenir une faute de la part de David Pereira da Costa. Il fait pas un grand match non plus l'international espoir portugais Pereira da Costa, le bon coup franc Messin, 25 minutes encore, j'ai dit à tenir, peut-être même à enfoncer le clou et le score face au Lensois. Là je parle sous le contrôle de Patrick qui voit tous les matchs à Saint-Symphorien, mais rarement une équipe a été autant en difficulté face à Metz cette saison à Saint-Symphorien honnêtement que Lens. Peut-être, peut-être Nantes, mais bon, ça fait Nantes, quelques mois vrai, maintenant c'est et c'est une équipe qui, un oui c'est ça, qui traverse quand même une période difficile, qui avait été battue 3-1 de mémoire avec un vrai match plein abouti de la part des Messins. Ouais. Mais très sincèrement, là maintenant depuis les buts de Mikotadze et jusqu'à maintenant, on avait rarement vu une demi-heure ou une quarantaine de minutes en temps cumulé aussi enthousiasmante. Hein. 25 minutes encore, 2-1 pour le FC Metz et l'occasion d'en rajouter un troisième ou en tout cas d'inquiéter Brice Samba, Kevin Van den Kerkhoff pour tirer le coup franc le long de la ligne de touche sur la droite. C'est bien tiré dans les 6 mètres, mais la sortie de Brice Samba, le ballon qui traîne entre ses deux pieds, le long dégagement rapidement vers Eli Wahi, ça va être compliqué. Maxime Collin est sur la trajectoire du ballon, la tête défensive elle n'est pas terrible. Papa Amadou Diallo, il tente un retourné acrobatique. Alors c'est marrant, mais moins pour son coach puisque c'est récupéré par les Lensois dans la moitié de terrain. Mais c'est encore un petit peu la jeunesse de l'international sénégalais là. Complètement ça, vraiment là. Il déborde un petit peu de fougue, il a peut-être pas été super lucide sur ce coup-là, il a voulu bien la faire. La bonne passe pour Pereira da Costa, la frappe du gauche du numéro 10 en soi. Et là, il est enfermé, il n'y a pas d'angle, c'est trop rapide, il s'est précipité et ça part dans la tribune. Il est à 10 mètres du but, il a mis 20 mètres à côté quand même. Hein. C'était compliqué, ouais, effectivement, après, c'était compliqué. Il est très excentré quand même, Lionel. Ouais, mais la mettre 20 mètres à côté. Oui. C'est une des énigmes de la saison quand même. Francaise, l'année dernière, même en début de saison, s'appuyait sur un roulement Thomasson-Fulgini. Et les deux, ils sont à la cave complète depuis des mois. Et David Pereira da Costa, alors il a quelques petites stats ces dernières semaines. Il en est à 3 buts et 2 passes décisives. Donc voilà, ça casse pas la baraque non plus. Oui, mais il a eu une très bonne période. C'est pour ça aussi. Hein. Oui, mais alors je me demande si plus que sa bonne période, c'est pas une très mauvaise période pour Thomasson et Fulgini. Ouais. Parce que ça, voilà, ça éclabousse pas de talent. Enfin, on voit qu'il a quelque chose, il est encore jeune, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, c'est pas régulier en tous les cas de la part de David Pereira da Costa. Et là on est au creux de la vague ce soir, 23 minutes encore dans le temps réglementaire, 2-1 pour Metz. Et est-ce que le problème aussi c'est qu'on n'arrive pas à trouver Huawei ou qu'on a l'impression que cette équipe de Lens est un petit peu à court d'idées là depuis au moins depuis la reprise en tout cas. Bah, on a changé beaucoup de choses, le schéma de jeu et il n'y a aucun circuit préférentiel. Ouais. T'as raison complètement, c'est-à-dire que ok tu mets du 109, ok il faut changer des choses, mais à trop vouloir changer trop de joueurs dans un nouveau dispositif, c'est-à-dire que tu peux perdre complètement ton football. Hein. Ben là, Thomasson et Sotoka se marchent sur les pieds. Justement, Sotoka, il est ailier droit. Il est numéro 6, numéro 8. Il les fait un petit peu tout. Les préférentiels ne sont plus les mêmes. Les joueurs ne sont plus les mêmes. Les automatismes, bien évidemment, ne sont plus les mêmes. Donc ça peut être compliqué. Ah, le ballon récupéré très haut là par Thomasson sur la droite. Ça, le centre de Sotoka au deuxième poteau, il n'y a personne. Peut-être David Pereira da Costa, il y aura surtout Mikotadze. Ah non, c'est récupéré par le RC Lens. Chavez, l'équatorien sur la droite. Le ballon pour El Ennaoui dans l'axe du terrain. Danso fait mine de frapper devant Papa Amadou Diallo. Il donne à droite pour Frankowski. On est à 40 mètres des cages d'Alexandre Oukidja. Et les Messins, autant ils étaient perdus en première période, autant là ils quadrillent bien le terrain. Il n'y a pas de solution pour le porteur. Exact.
Exactement, c'est exactement ça. Très compact. C'est beaucoup ça. Plus compact. Les Lensois vont jouer dans la latéralité, chercher une solution, tourner autour du bloc messin, mais pour l'instant, il n'y a aucune faille qui se présente. Ils ne sont plus du tout transpercés comme ça pouvait être le cas en première mi-temps. Et c'est pas la spécialité lensoise de jouer face à des blocs regroupés. Hein. Depuis l'année dernière, dès que Lens survolait le championnat, était bien, ils ont été attendus par des équipes qui jouaient derrière, ils n'y arrivaient plus. Et là, ça peut être le problème. Bravo Kidja qui. Ouais, le bon jeu à 3 des Lensois, ça termine sur un centre de Frankowski. Centre en cloche. Et Charbonnier, il adore. Lionel Charbonnier adore Kidja. Hein, bah. Écoute, bah, quand il fait pas de boulettes, on l'aime bien. Ah, ouais. Ça doit être sûrement un bon gars, tout ça. Non, mais c'est très compliqué de parler. Moi, j'ai pas connu cette spirale négative, tu vois, où tu joues ta peau à chaque match. C'est vraiment une pression négative que tu as. Contrairement à, par exemple, quand tu joues, tu vas tout le temps chercher l'Europe. Peut-être t'abordes pas les matchs de la même manière, psychologiquement et tout ça. Donc, et lui, il vient de loin, Lionel. Il a rarement été titulaire dans sa carrière. Il a commencé à Guignon, après il a été à Lille, mais prêté à Bayonne et à Moucron. Donc voilà, il évoluait pas au plus haut niveau. Ensuite, il est revenu à Strasbourg quand le club était en National 1, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui tient les cages quand il retombe. Ouais. Quand il revient, de Chavez côté Lensois. Il y a une glissade de Papa Amadou Diallo, c'est récupéré par Frankowski à droite, Florian Sotoka à droite de la surface de réparation, le petit centre, la reprise acrobatique de Wai, peut-être c'est récupéré par Pereira da Costa, décalé Chavez sur le côté gauche, l'équatorien ne va pas pouvoir centrer, ça repart un petit peu loin, le portugais de Lens obligé de revenir en arrière, 20 minutes à jouer, et donc il était à Strasbourg dans la remontée, il arrive un petit peu à Metz. Danso qui fait mine de frapper à 35 mètres, c'est décalé par Fulgini pour Sotoka dans la surface. De nouveau Fulgini, le 1 entre les deux hommes. C'est bien fait le centre. Oh, l'énorme occasion pour Thomasson. Il n'a pas pu reprendre le ballon qui traînait devant la ligne de but d'Oukidja. Énorme c'est situation. C'est fort à la moule, hein. Quart d'heure Lensois, là. Ouais. Et sur Danso, par exemple, au départ de l'action, personne ne monte sur lui. C'est assez incompréhensible. Là, on recule, ouais. Alors que Morgan Guilavogui, lui aussi, il était très loin. La semaine dernière, il n'était même pas dans le groupe face au Havre. Là, il est revenu et il aura 20 minutes pour peut-être prouver sa qualité. L'ancien attaquant du Paris FC, deux buts cette saison en Ligue 1. Le ballon pour Wai dans la surface de réparation, mal dégagé par les Messins. David Pereira da Costa dans la demi-ligne de la surface de réparation. Sotoka qui écarte sur la droite. Il est touché, il y aura une faute. Ah, il y a un bon coup franc pour le RCL. 20 minutes à jouer. Recule, les Lensois menés 2 buts 1 et l'occasion pour revenir. On recule, on subit et on finit par commettre une faute encore une fois avec ce jeune joueur, Diallo, qui est peut-être évitable cette faute, mais il la commet parce que il défend peut-être un tout petit peu maladroitement, mais c'est le résultat de cette bonne séquence lensoise. On disait il y a deux minutes qu'il semblait un petit peu perdu. Ils ont trouvé des solutions quand même. Oui, parce que Metz recule, c'est vrai, Lionel, et plus Lens évidemment est obligé de pousser. Oui, il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur du côté lensois. Il y a et puis aussi beaucoup de fatigue parce que c'était un jeu très énergivore, le jeu des Messins jusqu'à maintenant, avec des contre-attaques de 60 mètres à chaque fois. Donc là, l'effectif, quand tu regardes l'effectif lensois, quand tu regardes le banc de touche, que tu le compares à celui des Metz, bien évidemment. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc normalement, les Lensois doivent terminer beaucoup mieux. Maintenant, à eux d'être juste dans les petits espaces parce que Metz joue très regroupé. Le coup franc de Fulgini, décalé sur la droite à 25 mètres. La tête de Sotoka, c'est au-dessus des cases d'Oukidja. Alors que Nel Elaynaoui a été remplacé par Morgan Guilavogui. Il n'y a plus aucun milieu récupérateur de métier dans l'équipe. Ce sera Thomasson et Fulgini, voire Pereira da Costa. Et il y a donc Wai, Guilavogui, Sotoka sur le front de l'attaque du Racing Club de Lens. 18 minutes encore à serrer les dents du coup côté Messin et 2 buts 1 pour les Grenats. Et vous ne raterez rien bien sûr, restez avec nous, on revient dans un tout petit instant avec Lionel Charbonnier dans l'After Live en direct sur RMC et sur YouTube. À tout de suite. RMC l'After Live tous les samedis et dimanches de 6h30 à 9h30, c'est la matinale week-end sur RMC. L'info, le sport, toutes les demi-heures. La tête de Sotoka au point de pénalty, ça passe au-dessus des buts d'Alexandre Kidja. On va en rester là. Donc pour l'instant, 71e minute de jeu, toujours 2 buts à 1 pour Metz face à Lens. Et on débriefera évidemment tout ça tout à l'heure au 03 20 55 89 89. Pour l'instant, le Racing Club de Lens enchaîne un quatrième match sans victoire et pourrait quitter les places européennes à l'issue de cette 29e journée de Ligue 1. Série d'ici,
le rendent heureux. Action. Ils sont de toutes origines et ont vécu près d'un siècle. Ils sont drôles et mouvants. C'est le titre du film documentaire de Claude Drexel qui est allé aux quatre coins de France, dont Salomine, à la rencontre des anciens. Claude Drexel est cette semaine dans le Nord pour présenter son film. C'est l'occasion de faire connaissance. Ce sera samedi dans Série d'ici à midi sur France Bleu Nord. Série d'ici, toute l'actu des tournages dans la région. Le RCL en direct, c'est maintenant sur France Bleu Nord. Allez, les Lensois qui sont menés tout simplement par le FC Metz, par l'avant-dernier du championnat, je le rappelle, Mathis. Espoir de médailles, vos ambitions pour la France, les questions de sécurité, de coûts, qui pour chanter pour la cérémonie d'ouverture, le défi des Jeux, ce moment de communion nationale, qu'en espérez-vous? Je vous attends nombreux, posez dès maintenant vos questions au président au 3216 ou par mail vosquestions@rmc.fr. Le président qui vous répond sur RMC et BFM TV, rendez-vous lundi matin 8h20. RMC, l'After Live. François Pinet. 22h32, Metz qui mène toujours 2-1 face à Lens, 29e journée de Ligue 1 que vous suivez bien sûr en direct sur RMC avec Lionel Charbonnier et au stade Saint-Symphorien Aurélien Tirsa, Patrick Muller pour les dernières minutes de cette partie. 2-1 pour les Messins, un dernier quart d'heure dans lequel on a vu Kevin Van den Kerkhove tenter un grand pont de 25 mètres, il partait quasi seul au but et Joaner Chavez, le latéral équatorien de Lens, est venu le percuter. Carton jaune, ça aurait pu être rouge, Patrick. Oui, c'était un petit peu limite. Il le prend, heureusement, le défenseur Chavez, un tout petit peu sur le côté, parce qu'il y a une dizaine de centimètres près, c'est par l'arrière, et là, c'est une autre affaire. Mais effectivement, on peut aussi considérer, c'est ce qu'a sans doute pensé M. Lissor, que d'autres défenseurs auraient pu intervenir, et que donc, eh bien, ça ne méritait pas un carton rouge, mais c'était une sacrée chevauchée, un sacré coup de rein de la part de Van den Kerkhove. Et encore un ballon capté par Okidja. Mais oui, messieurs, le centre de Frankowski, pas d'erreur depuis, allez, 65 minutes. On se régale. Écoute, t'allais dire seconde, moi. Ah, moi, j'ai l'impression de voir Lionel Charbonnier, là. Ah oui, sérénité, c'est sûr, là, c'est sûr. Le calme. Je ne dirai rien. Les cheveux en arrière, la plaquée, ouais, avec un petit effet mouillé, là. Mais je crois que c'est un hommage, hein. Totalement. C'est Aurélien qui a fait un hommage à moi. Le ballon vers Brice Samba, toujours très serein, ballon au pied, il redonne à Chavez. Et le joueur prêté par Bahia, le club brésilien, va perdre le ballon avec Nico Tadze, voilà, sur la droite de la surface de réparation. En retour des Lensois, touche pour les Messins, 14 minutes. Alors malgré le fait qu'ils soient recroquevillés 90% du temps devant leur surface de réparation, il n'y a pas un danger non plus immense. Il y a eu le ballon tout à l'heure de sauter devant la ligne de but, mais ça va quand même. Ce ne sont pas d'immenses opportunités de la part des Lensois. Bon, il reste encore un quart d'heure, hein, ceci étant. Mais et ce qui est assez étonnant, on le disait, hein, que bah voilà, ça pompait pas mal de jus, d'énergie, cette manière de jouer des Messins avec ces transitions rapides, ce jeu qui est basé sur la transition. Mais on se rend compte qu'Van den Kerkhove a encore des cannes, hein, et qu'un Mikko Tadze continue à se battre. Et il y a une prise à trois quand il a le ballon, hein, ou quand il veut aller au contact du ballon. C'est assez impressionnant comment il aspire des joueurs sur lui. Là, il va falloir que les Messins soient attentifs, alors qu'ils mettent le bus dans les 20 mètres, ok, mais surtout pas dans les 16 mètres, parce que le jeu court comme ça, s'ils se mettent à défendre dans leurs 16 mètres, ça peut tout de suite faire un pénalty, et c'est pour ça qu'il faut défendre un tout petit peu plus haut. Et Udol qui intervient, Maxime Collin qui intervient devant Eli Wahi, pour l'instant ectoplasmique dans cette partie là, la rentrée un peu compliquée, il était mieux sur les. Tu devais le placer celui-là, c'est un concours ou c'est un pari? Ah ouais, non, attends. Il a franchement. Bon, allez, ouais. Non mais c'est pour paraître plus intelligent là, c'est pour essayer de remonter ma cote. Si un jour je veux travailler dans des médias. Ah oui, parce que c'est quoi la définition? Tu peux m'aider s'il te plaît, parce que moi quand je fais. C'est fantomatique. C'est fantomatique, tout simplement. Ectoplasme, quoi, comme Ghostbuster. Oh, Kevin Endoram qui va redonner le ballon sur le côté droit. Kevin Van den Kerkhove, encore une fois, c'est Mathieu Udol. J'ai du mal à le placer, Mathieu Udol. J'ai voulu le placer latéral droit, il est bien latéral gauche. Et en tout cas, il obtient la faute, le capitaine Messin. On parlait tout à l'heure des joueurs du cru avant le match, Patrick, parce qu'il y a quand même peu de joueurs auxquels les supporters peuvent s'identifier. Justement, il y a quand même pas mal de supporters. Lui, c'est un local de l'étape, il a en plus vécu pas mal de galères dans sa carrière de footballeur et il est toujours là. Ah bah, il a eu 4 fois les croisés du même genou.
C'est quand même assez insensé de se dire que ce garçon est revenu à son meilleur niveau, est titulaire indiscutable en Ligue 1 et capitaine. Voilà, il est originaire de, d'une petite ville qui s'appelle Marly, c'est adossé à Metz, pur produit du centre de formation. Il est capitaine, on l'a dit. C'est tout un symbole, ce garçon, et il fait sa saison. Il est à 4 passes décisives. Il a souvent été là quand le navire tanguait. Et il fait son match encore une fois. Et bah, il est courageux, effectivement. C'est un garçon auquel on peut s'identifier. Mais c'est un débat. Est-ce qu'il faut être de la région pour qu'on s'identifie ? Est-ce que, voilà, je reformule. Est-ce que il est nécessaire qu'un joueur soit du cru pour qu'on puisse s'identifier à lui ? Voilà, ça c'est. Tu veux vraiment qu'on lance le débat ? Ah, bah non, mais. Dans le football actuel. C'est une réflexion importante. C'est-à-dire que dans le football actuel. Tu veux tellement faire de culbutes financières et donc tes joueurs, bah, tu les fais jouer un an ou deux ans grand maximum et après tu les vends. Donc le public n'arrive plus à s'identifier à ses propres joueurs. Quand bien même si tu les formes dans ton centre de formation, souvent ils n'ont même pas le temps d'aller dans ton équipe première qui sont déjà vendus. Donc il n'y a plus d'attache, il n'y a plus d'identification et pour moi c'est un vrai problème. T'as raison, Pat. Mais un garçon comme Medina, qui est à Lens, je crois, depuis 2020, qui a été prolongé là, jusqu'à 2028, ben voilà, je pense qu'on peut se dire, bah, ok, il n'est pas français, il n'est pas par définition lensois. Il n'a pas été formé à Lens, mais c'est quelqu'un de valeureux qui est là sur la belle séquence lensoise depuis quelques années. Bon, bref, voilà, y a chacun sa réponse. Et bien sûr, les lensois, le petit ballon derrière la jambe d'appui d'Eli Wahi, il y a le bon retour de Maxime Collin, le latéral droit messin. Il va rester 10 minutes parce qu'on a le temps de parler d'autre chose, parce que les Lensois mettent des ballons en cloche dans la surface de réparation. Mais on l'a dit, il n'y a pas d'erreur demain de la part de Oukidja. Morgan Guilavogui qui s'enflamme un petit peu là, 35 mètres, la frappe largement au-dessus des cages d'Oukidja. C'est frappe en désespoir de cause là pour le coup, pas beaucoup d'angle, la frappe en plus est pas maîtrisée. Ouais, complètement en arrière. Pas d'équilibre du corps. On sent cette équipe de Lens. Bah, un petit point classement, messieurs, puisque Lens toujours 6e avec 43 points, un point de Nice si bien sûr le score en reste là, et sous la menace de Reims qui joue contre Strasbourg ce week-end. Reims qui est à 3 points des Lensois à la 7e place, et puis Metz qui remonte, Aurélien l'a dit tout à l'heure, à la hauteur de Lorient pour l'instant si la victoire se confirme. 26 points, Lorient qui est le barragiste pour l'instant, Lorient qui jouera contre le Paris Saint-Germain, ce match qui était décalé au 24 avril. Et les Messins reviennent à 2 points de Nantes et du Havre qui ont évidemment un match en plus à jouer ce week-end. Et le prochain match, ça sera le Havre-Metz, n'oubliez pas le prochain match des Messins qui aura lieu au Havre, alors que Lens recevra Clermont lors de la 30e journée. Ouais, mais après les Lensois vont à Marseille, vont à Rennes. Attention, hein. Ouais, bien sûr. De toute façon, l'Europe, elle est en train de s'éloigner là. La pour 6e place pour l'instant, c'est barrage de Conférence League. Oui, et alors qu'il y aura un changement côté Messin, Kevin Doram cédera sa place à Aboubakar Lo, et un autre Messin reste au sol. C'est peut-être. Et là, c'est peut-être Diallo, non ? C'est peut-être papa Amadou Diallo en effet. Et là, ils vont peut-être jouer à 5 derrière Patrick. Je sais oui, pas c'est si possible que Lolo puisse redescendre. Oui, c'est ça, c'est Diallo qui reste au sol. Il peut occuper les deux postes, mais préférentiellement plutôt en défense centrale. Ouais, donc on recule, quoi. Ça, c'est assumé, Lionel, de la part de Metz. Hein. Oui, bah, oui, oui. Peut-être quand même, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aime pas. Il subit ça quand même. Moi, j'aime pas. J'aime pas quand t'es comme ça, que tu fais rentrer. Et l'attaque des Lensois rapide avec la tête au bout du compte. Angelo Fulgini, ça va passer au-dessus. Et Bologna, il était quasiment arrivé dans la zone technique de Francaise parce que c'était un entre-deux normalement. Et les Lensois ont joué très rapidement. Alors, le ballon était Lensois puisque Monsieur Lissorg avait arrêté le jeu à cause de la blessure de papa Amadou Diallo. Mais ils n'étaient pas contents que les Lensois reprennent trop vite. Moi, je pense que c'est honnête de la part des Lensois, et c'est l'arbitre qui avait arrêté le jeu pour un Messin resté au sol. Mais c'est au-dessus, de toute façon il n'y aura pas de polémique. On en reste à 2-1 pour les Mosellans, 8 minutes simplement à jouer dans pour le temps réglementaire. Il reste à 4 derrière, hein. Ouais, et il y aura un deuxième changement a priori, et même sans doute défensif, puisque Fally Kandé va aussi faire son entrée. Lui, c'est clairement un défenseur central. Arthur Atta à 25 mètres qui va décaler Mikotadze. La bonne sortie de Facundo Medina. Il n'était pas là, le jeu, il était à gauche. 40 mètres. Trompé, ouais, exactement. Amadou Diallo était seul sur la gauche, et faute obtenue par les Messins à 35 mètres des cages de Brice Samba, voire un peu plus. Et donc l'entrée, on l'a dit. Aboubakar Lo. Aboubakar Lo. L'arbitre a changé de numéro puisque ce n'est plus le 6 de Kevin Doram qui apparaît, mais le 8 d'Ismaël Traoré. Ah, donc c'est du passe pour poste. Ouais, c'est ça. Il y aura Fally Kandé, alors c'est étonnant.
Est-ce qu'il va sortir Donc il reste à 4 derrière avec Endoram, ouais, qui va rester dans le milieu, enfin on espère. Oui, a priori ça va être ça. Alors ça s'est tendu là, hein. Ça s'est tendu dans le cœur du jeu. Le coup franc sera Messin. Falikandé n'est pas rentré. Oui, Falikandé reste pour l'instant dans les tribunes. Finalement, il y a eu un peu de doute, j'ai l'impression, dans la tête de la Slobolonie là. Oui, on le voit s'agiter, il fait des grands gestes des bras et sortie temporaire de Danley Jean-Jacques, touché tout à l'heure. Le coup franc pour les Messins. Kevin Endoram écarte à gauche. Monsieur Lissorg n'avait pas demandé de jouer. On va devoir revenir au point de départ. Mais pour l'instant, les secondes qui s'égrènent, hein, 83 minutes et 36 secondes, toujours 2 buts 1 pour le FC Metz et le ballon en retrait pour Maxime Collin qui fait son match également, hein, qu'on n'a pas beaucoup vu offensivement, mais il a tenu son couloir. La récupération d'Adrien Thomasson, il se retourne dans l'axe et il n'y a pas de solution à droite pour Przemyslaw Frankowski qui a pris un carton jaune d'ailleurs il y a quelques secondes. Et du côté de l'ordre frénétique de la tribune ouest, ça va mieux aussi, on prend un peu de plaisir cette saison à Saint-Symphorien. C'est suffisamment rare pour être souligné, hein. Non mais sans vouloir être cinglant ni méchant, c'est vrai que là il y a une très très belle on va dire quoi, prestation, ou en tout cas une très très belle attitude, surtout ouais, affichée par le FC Metz. C'est surtout ça qui faisait défaut ces dernières semaines. Sotoka en retrait pour Kevin Danso, il va falloir résister au Lensois malgré tout pour continuer de croire au maintien, au barrage. Peut-être mieux pour les Messins. Fulgini à droite pour Sotoka, le 1-2, il est intelligent. Angelo c'est Fulgini sur la droite de la surface de réparation, le centre, la tête défensive de Sadi Moussané et il a même sauvé le corner. Ce sera une touche vraiment le long à 1 mm du poteau de corner, la touche jouée rapidement par Fulgini. On va entrer dans les 5 dernières minutes, le ballon vers Sotoka, c'est trop long et Oukidja va pouvoir récupérer le ballon, gagner quelques secondes même en attendant le pressing de Sotoka et récupérer le ballon à la main. 2-1 pour les Messins, 5 minutes du bonheur d'une troisième victoire simplement cette saison à domicile. Et je vous rappelle bien sûr que vous restez après le match puisque vous retrouverez Nicolas Jamin avec Lionel Charbonnier, avec Kevin Diaz qui nous rejoindra pour l'after. Donc n'hésitez pas, 32-16 dès maintenant pour rejoindre Adrien au standard, supporter Messin, supporter Lensois, puisqu'on va revenir largement sur cette rencontre, sur ce match de la 29e journée de Ligue 1. Et mine de rien, depuis la défaite en barrage d'Europa League contre Fribourg, en plus un scénario assez catastrophe pour les Lensois qui menaient 2-0, qui perdent 3-2 à l'arrivée au match retour, ça va plus quand même, hein. Il y a, tu l'as dit, la défaite contre Nice et Monaco à domicile, le match nul face au Havre, t'as la défaite à Lille dans le derby. Il y a vraiment plus beaucoup de choses qui vont dans le sens des hommes de France. C'est un moment difficile quand même pour le Racing Club de Lens et des crampes pour Maxime Collin. Eli Wahi va le relever rapidement parce que les Lensois, ils n'ont pas envie de perdre encore un peu plus de temps, mais il va falloir trouver un petit peu plus de génie offensif pour mettre en danger Alexandre Oukidja. 2-1 pour les Messins, le 1-2 sur le côté gauche avec Joaner Chavez, le centre, et c'est encore dégagé par Sadi Moussané. Il fait son match également, le jeune défenseur Messin. Mais globalement là, les Lensois, tu as raison de le dire, sont un petit peu en difficulté, mais ils se heurtent à une équipe de Metz qui défend bien. Ça paraît bête à dire, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que solidaire, exactement, c'est ce qui pouvait manquer par séquence en première période, et des joueurs qui s'arrachent. Là on a vu Maxime Collin, ouais, sur une intervention, il se bat, il sort ce ballon. Patrick, mais après, ce qu'on va retenir, si ça en reste là, évidemment, c'est aussi que Lens n'en a pas assez fait. Hein. Pour aller chercher. Bah, surtout 1-0, oui, parce qu'ils sont pas dangereux. Surtout 1-0. Je reprocherai, si jamais ça en reste là, cette attitude lensoise à 1-0, ouais, où ils ont réussi à marquer et ensuite ils ont presque, été trop faciles. Presque suffisant. Ils sont sortis, oui, exactement. Et ils sont sortis de leur match avec leur suffisance. Et c'est Kevin Endoram qui est sorti, Lionel. Il est sorti finalement, Endoram, hein, c'est ça. Ouais, et c'est Falikandé en défense centrale avec Sané. Donc là, ça passe à une défense à 5. Hein. Ouais. 3 minutes dans le temps réglementaire à jouer la mauvaise passe de Thomasson. Directement dans les pieds de Papa Amadou Diallo. Il y a Vandenkerkhoff à droite. Il l'a trouvé, l'international algérien. La frappe. Oh, au deuxième poteau, Yami Kotadze. Alors la frappe, elle est ratée. C'était entre un centre et une frappe, mais les deux sont ratés. Dégagement à venir pour Brice Samba. Mais sur chaque perte de balle, et Thomasson, ben, on le voit encore. C'est un joueur magnifique, hein, délicieux. On l'a vu pendant des saisons et des saisons à Nantes, à Strasbourg, même à Lens. Mais cette année, l'année 2024 est compliquée pour Adrien Thomasson. 2 buts à 1 et les Lensois ont des ressources plus que limitées pour le moment pour revenir au score.
Et c'est une défense à 4 au final, hein, côté Messin. Hein. Ouais, puisque Aboubakar Lo finalement est passé au milieu de terrain en lieu et place de Kevin Anduram. Okay. Le ballon en profondeur pour Nico Tadze, la bonne couverture de Kevin Danso. Ça doit pas être facile d'avoir un joueur en confiance comme Nico Tadze dans le dos, parce que dès qu'il a le ballon, il frappe, il cadre, il est dangereux dans tous les cas. Il fait des kilomètres, hein, pour défendre. Oui, en plus aussi, il est partout. Il défend comme un latéral droit, comme un numéro 6. Les Lensois à l'attaque avec Medina, Virgila Vogui, la déviation de Joaner Chavez sur le côté gauche, le centre dégagé de la tête encore par Sadibou Sané, et le FC Metz bien recroquevillé. Sami Kotadze est devant et pour l'instant les espaces sont fermés, les Lensois n'ont aucune idée. 90 secondes avant la fin du temps réglementaire de cette seconde période. Il faut avancer quand même là sur les Messins, ils devraient avancer sur le porteur de balle quand même. Et le ballon perdu par Pereira da Costa, le ballon perdu devant un joueur Messin. Il y a l'appel de Miko Tadze dans l'axe du terrain. C'est passé sur le côté gauche pour le centre Messin, capté par Brice Samba. Et est-ce qu'il fallait pas attendre la remontée Le ballon dans l'autre sens pour Gabriel Bogui. La reprise du gauche, elle est croisée, elle va frôler le poteau d'Alexandre Kidja. Et Maxime Collin, il en a plein les crampons et plein les chaussettes. Il a eu du mal à retenir l'attaquant lensois. Et heureusement qu'il est sur son mauvais pied, Morgan Guilavogui. Il a volé et trop croisé. Une minute encore dans le temps réglementaire. 2-1 pour Metz. Ah, ils sont plusieurs à être cuits. Hein. Je crois que c'est Dan Léjean-Jacques, suite à son effort là sur l'autre partie du terrain, côté Messin, qui est resté au sol. Et Lionel, simplement, avant cette frappe lensoise, il y a eu cette possibilité Messine. Est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre Dan Léjean-Jacques que le bloc monte? T'as raison. Que tout son bloc monte et puis qu'il ait des appuis, que ses milieux soient là. Bah et pourquoi parce pas que trouver un mec à la limite de la surface. Exactement. Là il sort un centre un peu casse-croûte entre guillemets. C'est du temps qui aurait pu être grappillé. Bah, d'autant plus que ses copains, comme il n'a pas attendu, ses copains qui étaient en train de venir ne sont pas arrivés. Et là, comme il s'est précipité, il n'était pas arrivé, qu'en plus il a perdu la vague. Donc n'étant pas arrivé, il fallait déjà qu'il pense à repartir. Exactement. Donc c'est ça, il n'y a rien de tel mentalement pour te tuer les copains. Et lui il a du jeu à Aboubakar Lo, les Messins à l'attaque avec Papa Amadou Diallo, le ballon récupéré par Miko Tadze, il va pas frapper, le petit ballon piqué pour Van den Kerkhove. Bonne protection de balle de Joaner Chavez, dégagement à venir pour les Lensois. On rentre dans le temps additionnel et il y en aura beaucoup. 6 minutes encore à espérer côté Lensois, à tenir, à serrer les dents, à tout serrer côté FC Metz d'ailleurs, parce que les 3 points sont vitaux pour le club en Ligue 1 et il faut tenir donc encore 6 minutes de temps additionnel. Tous les sifflets du stade, hein. J'ai bien compris que 6 minutes c'était trop pour les supporters messins. Et alors un mot François, on a eu l'affluence officielle et très précise, 23 002 spectateurs ce soir pour cette rencontre. Il y en a qui les deux, c'est vous. Alors on est repassé. Ouais, c'est exactement. On a voulu arrondir. Patrick, évidemment. Le ballon sur la gauche de la surface. Messine, Joaner Chavez qui va contrôler le Lensois. Va centrer au deuxième poteau. Et Oukidja, encore une fois, il était battu. Mais il n'y avait pas de Lensois. C'est dégagé. Oh, le grand pont. Encore une fois de Papa Amadou Diallo. Il a du jus, le jeune Sénégalais. Et la faute des Lensois sur Papa Amadou Diallo qui fait un boulot monstrueux. Incroyable. Sur son côté. Un gros match. Ah, il a fait un très très bon match, hein, Diallo. Enfin, il faut avoir du cran quand même pour tenter le grand pont à cet endroit du terrain et à ce moment du match. Mais si tu perds le ballon, tu peux te faire déchirer dans bien les sûr, vestiaires. Bien sûr, bien sûr. Mais ça dénote quand même une certaine mentalité chez ce garçon. Le grand pont sur Przemyslaw Frankowski et ça permet au bloc Messin de remonter. On a gagné 40-50 secondes de temps additionnel alors que changement à venir du côté du SMS. Lamine Camara qui va remplacer Dan Léjean-Jacques, applaudi par le nombreux public de Saint-Symphorien ce soir parce qu'il a été courageux. Il fait pas tout bien, il est parfois brouillon, mais il a. Alors vous avez peut-être pas vu l'image, mais Laszlo Bologny est en train de motiver Lamine Camara. On a presque l'impression qu'il l'engueule, hein, pour être très très clair. Et Lamine Camara, il a un petit sourire. Il rigole. Il rigole. Exactement. En gros, il l'a motivé, il l'a surchauffé là pour les dernières minutes. Pour arracher cette victoire précieuse, Bologny. Enfin, Laszlo Bologny, on ne voit pas souvent sourire, hein, de toute façon. Hein, c'est vrai, mais là, il avait l'air très agité. Mais attends, c'est un moment quand même compliqué pour lui. Il n'a pas le vent dans le dos, Laszlo Bologny, en ce moment. C'est moins qu'on puisse dire. La victoire, elle serait quand même hyper, hyper précieuse. 2-1 pour les Messins. 4 minutes encore de temps additionnel. Le RC Lens à l'attaque avec Kevin Danso dans l'axe du terrain. Le défenseur central va gagner du temps, va gagner du terrain, va gagner de l'espace à droite pour Adrien.
Thomasson, David Pereira da Costa qui va se retourner, il n'y a pas trop de solutions. Ce sera Przemyslaw Frankowski, le Polonais, dégagé de la tête par justement l'entrant Lamine Kamara. Sotoka qui demande une petite main, il n'y en aura pas, il va redonner le ballon à Brice Samba qui est monté très haut dans le rond central avec le seul Mikotadze qui continue son pressing. Ouais, Mikotadze infatigable, à l'image d'ailleurs de cette équipe messine qui est vaillante, qui est dans le dur, qui souffre mais qui s'arrache. Et Maxime Collin, on va voir s'il arrive à le centre de Fujini, c'est récupéré par Thomasson au point pénalty, la frappe juste au-dessus de la barre transversale, la parade même d'Oukidja, la parade magnifique d'Oukidja, corner pour le RC Lens. Quelle belle situation. Ouh. Et quelle, est-ce que c'est touché par Oukidja? Oui, oui. Ah non, c'est peut-être le défenseur au départ. C'est pas touché par Oukidja. C'est un défenseur qui dévie le ballon au départ. Et le corner pour les Lensois. Le corner pour Angelo Fujini. Ah, c'est pas bien tiré au premier poteau, dégagé de la tête par Mikotadze. Maxime Collin, pardon. Oui. Le nouveau centre de Fujini, dégagé encore une fois par la défense messine très courageuse. Sadi Boussané qui va donner le ballon à Papa Amadou Diallo, le contre avec Lamine Kamara qui va résister. Angelo Fujini, Lamine Kamara qui va poursuivre son effort. Le bon retour de Frankowski. Excellent retour. 3 minutes encore dans le temps additionnel. Et là, les Messins, on les sent vraiment au bout du bout. Ils se battent sur tous les ballons, les Messins. Franchement, c'est pas du grand football du côté de Metz, mais comme quoi tu peux gagner avec d'autres valeurs. Et là, il y a des valeurs d'abnégation, de solidarité, d'engagement. Et ça suffit ce soir pour contrarier cette équipe lensoise. Et là, ils sont un petit peu désorganisés, les Messins. Le petit ballon piqué de Sotoka vers Wai. Cette balle pour Oukidja qui vient capter le ballon. Et là, ils sont en train de se régaler, les 23 000 supporters de Saint-Symphorien. 2-1 pour les Messins. Alors, on va pas dire qu'il y a de la sérénité, mais en tous les cas, ils se mettent pas en énorme danger. Et il y a des interventions salvatrices. Et là, il y a de l'énergie, il y a une dynamique qui est totalement opposée à celle du début de match où on pensait qu'ils allaient sombrer une nouvelle fois à domicile. Exactement. On sent, comme encore une fois, ça a été rarement le cas cette saison, que cette fois, je sais pas si on peut dire sérénité en effet, en tout cas un peu de confiance, suffisamment en tout cas pour se dire et penser que cette fois-ci, ils ne vont pas flancher, les Messins, même s'il reste quelques secondes. Hein. Lance encore un peu de courage pour les 90 dernières secondes. Thomasson qui veut se retourner, mais Van den Kerkhoff, il est là, il est puissant, il va redonner à Papa Amadou Diallo le bon retour défensif de Frankowski, mais la touche est obtenue par les Mosellans et les secondes s'égrènent. Le sable s'échappe dans le sablier. Il restera désormais moins de 60 secondes au Lensois pour désormais égaliser et rester sur une mauvaise série. 3 matchs sans victoire, ce serait le 4e pour les hommes de Francaise. Bon, la Ligue des Champions, c'était pas l'objectif affiché par Francaise, mais ça commence à s'éloigner mathématiquement désormais. Un point en 4 matchs, c'est vraiment pas terrible. 3 défaites sur cette séquence-là. Et encore une fois, Mikotadze qui tente ce petit pont. Ouais, le flip-flop là, intérieur-extérieur pour passer entre les jambes de Kevin Danso. Mais jamais fatigué, Mikotadze. Ben, il a pas joué pendant 6 mois à l'Ajax, il a faim là. Oh le pauvre. Le long dégagement vers la tête de Sotoka, dégagé par le FC Metz. Bon, il n'y a vraiment rien d'organisé, de construit côté Lensois. On balance le ballon, on espère un miracle. C'est un peu compliqué. Kevin Danso, les sifflets de Saint-Symphorien. Il y a un petit peu de stress. Il reste 10 secondes. Évidemment, les 20 dernières secondes. La dernière pour le Racing Club de Lens avec Sotoka sur la droite pour Thomasson, le jeu. Oh non, Thomasson. Non, Thomasson, tu l'as mis en touche directement. Et là, il se gratte la tête francaise. Il n'y a rien d'autre à faire. Les 3 points seront très, très probablement Messins. On va mettre 1h30 à jouer la touche. Udol, il va prendre tout son temps. Et les Messins, les Lensois n'y croient plus. Monsieur Lissang a sifflé. On a l'impression que c'est une victoire en Coupe de France. Le FC Metz, tous les joueurs quasiment à genoux. Le FC Metz va simplement marquer 3 points. Mais dans la situation des Grenats, c'est 3 points qui valent de l'or. Le FC Metz revient au temps de Lorient. Polonie serre les points. Et Lens est toujours dans la spirale négative. Eh ben bravo Aurélien pour ta première à Saint-Symphorien. Félicitations. C'est bon, t'as accepté, t'es validé. Allez, avec plaisir. Merci Aurélien, bonne soirée. C'est François qui paye ma chambre d'hôtel ce soir. De Saint-Symphorien et de Metz, merci Patrick. À très bientôt. Je cite juste un message sur l'appli RMC Direct Studio, j'ai pas voulu le citer avant, je ne suis pas fou. Kevin qui me dit, si on gagne François, je m'engage à t'offrir le maillot de Mikotadze. Ben, j'attends mon maillot Kevin, merci beaucoup. Et n'hésite pas à appeler au 32-16. Lionel Charbonnier sera là bien sûr avec Kevin Diaz pour l'after. Tout de suite vos réactions supporters, Messins, supporters lensois, c'est avec Nicolas Jamin. Bonne soirée à tous sur RMC. RMC
L'After Foot RMC, les week-ends de 9h30 à midi, les GG passent le relais aux grandes gueules du sport. 2h30 d'échanges, d'analyses, d'opinions avec une équipe de champions. Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Cyril Marais et bien d'autres. Autour de Jean-Christophe Drouet. Les grandes gueules du sport. Les samedis et dimanches, désormais 9h30 midi sur RMC. À 100 jours des Jeux de Paris 2024, Le Parisien est aujourd'hui en France vous propose un numéro exceptionnel. Cérémonie d'ouverture, transport, qualification, chance de médaille, plongez dans la préparation des Jeux. Et découvrez dans notre supplément de 24 pages les 100 Français qui vont faire briller ces Jeux. Athlètes, politiques, partenaires. Un numéro spécial du Parisien aujourd'hui en France à retrouver dès mercredi dans votre point de vente habituel. Événement rugby à Marseille avec RMC. Le samedi 20 avril à 21h à l'Orange Vélodrome, le RC Toulon de Charles Olivon défie le Stade Toulousain d'Antoine Dupont. Place en vente sur rctoulon.com. Toulon-Toulouse à Marseille, c'est le samedi 20 avril à 21h avec RMC. Réagissez dans l'afterfoot au 32-16 et gagnez votre t-shirt avec rudytshirt.com. Mon deuxième roman, ouais, il est sorti hier et on est déjà à 2 millions d'exemplaires vendus. D'ailleurs, j'en ai un dans ma polo à 129€ par mois. Si tu veux, je peux te le dédicacer. 129€ par mois? Bah oui, n'importe quoi. Si, si, c'est vrai. En ce moment, profitez de la polo à partir de 129€ par mois et de 3 mois de loyer offert. Pour une polo neuve, LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 500€, puis 33 loyers de 129€ si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 30 avril dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. La Formule E débarque à Monaco avec RMC. Rendez-vous le samedi 27 avril pour une course automobile 100% électrique et passez une journée dans l'Allianz Fan Village avec des activités et animations pour toute la famille. Place à partir de 30€, gratuit pour les moins de 16 ans. Réservez vos places sur monaco-eprix.com. Le Monaco e-prix de Formule E avec RMC. Après la prison, dialogue avec mon agresseur. La Croix Lebdo vous dévoile les coulisses de la justice restaurative. Pour la première fois en France, une journaliste a suivi pendant 2 ans l'histoire d'un père et d'une fille séparés pour violence intrafamiliale. À l'occasion du lancement d'une nouvelle formule du magazine, La Croix Lebdo réitère son engagement d'offrir un espace de réflexion unique au cœur de l'actualité. Retrouvez de nouvelles rubriques, rendez-vous et chroniqueurs qui vous entraînent dans des récits intimes ou des sujets de société. La Croix Lebdo, en vente chez votre marchand de journaux. RMC. Il y avait une pancarte tout à l'heure, quand on rentre, ici c'est le chaudron. Quand je suis sorti, j'ai écrit, ici c'est le potager. Je suis sur le bûcher, moi, le premier. Attends, j'ai brûlé. On appelle Pierre Drossi sur le bûcher. J'entends beaucoup de bêtises. Faut faire très attention à ce qu'on dit. Chaque sélectionneur aime bien avoir un ou deux jokers. Là, il y a des places à prendre et puis il y a aussi une émulsion. Ça va nous amener à monter d'un cran et donc amener certains joueurs à également progresser par rapport à la conscientisation de confiance sur leur potentiel. Oh la vache. Tu peux aller chercher un café. Jusqu'à minuit, l'afterfoot. Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous et bravo à Daniel Torres pour ce nouveau générique de l'After. L'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC. L'After, la seule émission en direct 7 jours sur 7 à la radio. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Casting du soir. Bonsoir Lionel Charbonnier. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Bonsoir Kevin Diaz. Bonsoir à tous. À venir, le débrief de la victoire. Oui, la victoire du FC Metz, la Lorraine et Grenat. La Lorraine le restera. 2-1 face à Lens. On vous attend nombreux, supporters messins, ambiance de qualification pour une finale de Coupe de France à Saint-Symphorien. On va en parler. Est-ce que Metz peut aller arracher le maintien inespéré il y a encore quelques jours, quelques heures presque? On va en débattre avec vous au 32-16. Lens n'avance plus en Ligue 1. Quatrième match sans victoire pour les Lensois. Quelles conséquences pour cette fin de saison? Là aussi, on vous attend, supporters du Racing Club de Lens. Pourquoi ça ne marche plus dans l'effectif de Franck Haise? Ce soir également, tiens, un débat qu'a ouvert Antoine Camboire, entraîneur du FC Nantes aujourd'hui, qui s'insurge contre le report de 3 matchs de Ligue 1 ce week-end. Il n'y en aura que 6. Pour préserver les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, en l'occurrence Paris, Marseille et Lille. Antoine Camboire ne comprend pas pourquoi on a reporté ces 3 matchs et que ça peut tronquer, selon lui, la fin de saison. Et puis justement, débat ce soir avant la semaine européenne, Paris, Marseille ou Lille, qui a le plus de chances de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. 32-16 pour nous appeler, supporters messins, supporters lensois, marseillais, lillois, n'hésitez pas à nous appeler également, parisiens également. Et puis également, je vous rappelle qu'on est sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, pour vous abonner, pour commenter dans le chat qui est ouvert. Merci aux modérateurs présents ce soir. C'est parti, jingle 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel.
Bah, écoute, mon premier point sera Messin, tout simplement parce que je pense que c'est une victoire méritée. Alors oui, c'était pas un grand football. Oui, c'était pas les puristes, les footix vont dire que voilà, ils ne méritent pas leur victoire. Moi, je trouve que Metz a mérité sa victoire avec d'autres valeurs, comme quoi tu peux gagner avec d'autres valeurs. On va sûrement en parler tout à l'heure. Et ensuite, je suis déçu pour mon deuxième point des Lensois qui perdent leur football. Là, ça fait 8 buts encaissés en 4 matchs, c'est beaucoup trop. Offensivement, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas d'idée. Je les sens fatigués, que ce soit sur le plan physique mais aussi mental. Et puis mon troisième point, oui, tu parlais que la victoire messine était comme une qualif en Coupe de France. Mais que ce soit Metz, que ce soit Lorient, que ce soit Nantes, toutes ces équipes-là qui se battent, bah aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils ont 6 finales à faire, 6 finales de Coupe de France à faire. Kevin, tes 3 points. Le premier point, c'est bien sûr la victoire de Metz qui était inespérée, mais qui a fait plutôt un bon match. C'est vrai qu'alors ils ont souffert, ils ont des lacunes, hein, sinon ils ne seraient pas positionnés à cette position. Et ce sera d'ailleurs mon deuxième point. Mais quand même, s'ils arrivent à se maintenir avec un Oukidia qui est capable de faire d'énormes erreurs comme aujourd'hui, ce serait quand même du rarement vu. Et en 3, bah, c'est... je ne vais même pas parler du Racing Club de Lens parce que j'ai surtout envie de parler des clubs français en Coupe d'Europe. On savait que ça allait être difficile, que ça allait, c'est peut-être pas des tirages faciles, mais je m'attendais pas à avoir 3 défaites quand même. C'était pas facile, c'était pas les plus compliqués non plus les tirages pourtant. Ouais, non, pour mais Lille, tout le monde est en vie. Voilà, pour Lille et pour le PSG, c'était pas facile quand même. Tout le monde est en vie. Oui, enfin, quand tu vois les matchs du mardi soir, le Real City, le Arsenal Bayern, et que tu vois les matchs du mercredi soir, il y a un écart de niveau, j'ai l'impression quand même. Non, mais ça, on le savait avant le tirage. Oui, bah oui. Voilà. Donc ça aurait pu être un tirage plus difficile, c'est ce que je dis. Bon. Alors comment on va faire ? On va commencer par Lens, parce qu'il y a beaucoup d'appels de supporters lensois au 32-16. Donc on va commencer par la colère, l'incompréhension des Lensois. Je vais accueillir Jérôme au 32-16. Salut Jérôme. Salut, bonsoir l'équipe, bonsoir Lionel, bonsoir Kevin. Heureux, Jérôme. Bonsoir Jérôme. Heureux de t'accueillir, Jérôme. Je rappelle, hein, donc ton équipe ne gagne plus depuis 4 journées déjà. Défaite à Nice, face à Nice 3-1. Défaite à Lille dans le derby 2-1. Nul contre le Havre à Bollard. Et donc défaite à Metz 2-1 ce soir. Comment 8 buts encaissés en 4 matchs. Exactement, 8 buts encaissés en 4 matchs. C'est pas l'Ensois. Comment tu vis cette soirée et ce match-là, et quel regard tu poses sur la prestation du Racing Club de Lens, Jérôme ? Alors, moi, je pense que c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Je pense que le discours de Franck Hez a du mal à passer. Je pense que le jeu de Lens est trop stéréotypé, malheureusement. On passe beaucoup sur les ailes du côté droit avec Frankowski et Sotoka, et pas assez du côté gauche avec... avec Machado et voilà, et Pereira da Costa, malheureusement, il a fait quelques bons matchs, mais ça il redescend de niveau. Il y voyait, malheureusement, n'est pas encore tout à fait compatible avec le jeu lensois. Donc moi, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, et je pense même que certains joueurs de Lens sont déjà ont déjà la tête ailleurs, tout simplement. Et honnêtement, quand je vois par exemple le jeu des Lyonnais, quand je vois certains jeux, enfin par exemple le jeu des Monégasques, des Lillois, bah, ils sont à leur place en Coupe d'Europe. Vu le niveau de ce soir, je ne pense pas que Lens est capable d'aller chercher l'Europe, malheureusement, cette saison. Bon, fin d'un cycle, est-ce que c'est un peu radical, un peu sévère, hein, ouais, ce que dit Jérôme là ? Je dirais pas jusqu'à la fin d'un cycle, mais moi, ce que je n'ai pas aimé, je ne dirais pas la fin d'un cycle, personnellement. Mais en tout cas, on a connu Lens avec des difficultés à chaque fois que les Lensois ont dû jouer contre des équipes, et ça date pas d'aujourd'hui. L'année dernière, c'était pareil, lorsque Lens survolait le championnat parce que personne n'attendait Lens avec un tel niveau de jeu, et Lens évolue en contre-attaque et ça se passait très bien. Et puis quand tout d'un coup, bah, les équipes se sont mis à jouer plus bas, beaucoup plus regroupées, il a fallu que Lens réinvente son football face à des défenses des blocs très regroupés, et Lens n'y arrivait pas. Déjà ce soir, ça a été le cas aussi. Moi, ce que je reprocherais ce soir au Lensois, surtout, je pense qu'ils ont très bien débuté. Ils ont marqué, pénalty, normal, il n'y a rien à dire sur le pénalty. Et par contre, à partir de là, j'ai l'impression qu'ils ont été suffisants. Et ça, je n'accepte pas. Pour moi, c'est cette attitude qui me gêne. C'est pas l'Ensois. C'est l'Ensois suffisant. Voit, ouais. C'est la première fois dans ma bouche que je mets l'Ensois suffisant. C'est deux mots qui se qui suivent. Et quelque part, ça me dérange. On a un problème aussi de d'efficacité défensive et offensive. Enfin, je suis désolé, mais Eli Wai, c'est un garçon que j'adore beaucoup.
Mais il est tout seul devant, ça veut dire derrière lui, il y a qui pour un vrai numéro 9? Oui, c'est vrai que dans 9. La finition, t'as raison. Dans la finition, mais ça a tout le temps été contre les équipes regroupées. Le dernier geste dans les petits espaces, j'ai toujours vu les attaquants lensois en difficulté dans les petits espaces pour faire le geste de Mikotadze. Voilà, le premier but de Mikotadze, il n'y a personne pour le faire à Lens aujourd'hui. Le problème cette saison avec le Racing Club de Lens, c'est qu'en fait, on les compare avec l'an dernier. Et ça, c'est. On en fait trop par rapport à l'année dernière. Je trouve qu'on n'a pas encore du mal à passer. Enfin, le départ de Seco, on ne l'a pas oublié. Openda ne l'a pas remplacé comme il faudrait. Exact. Et pourtant, Dieu sait qu'on a mis 35 millions sur Eli Wahi, mais. Oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que j'allais dire. On est forcé de comparer avec l'an dernier. Mais l'an dernier, c'était une année exceptionnelle. Année exceptionnelle où, d'ailleurs, moi, je trouve que vous étiez meilleur il y a deux ans, finalement, dans le jeu. L'année dernière, vous avez été très régulier, notamment défensivement. Mais offensivement, il y avait toujours un éclair. Souvent, ça a été Openda en deuxième partie de saison. En première partie de saison, ça a souvent été Seko Fofana qui a été arraché, je ne sais plus quel match à la dernière minute, une, deux fois. Un paquet, plus de deux fois. Je crois à Monaco, par exemple. Mais c'est des matchs où, l'année dernière, vous étiez, je me rappelle très bien du match au Vélodrome, où il y a une frappe de 30 mètres contrée par Balerdi qui lobe Paul Lopez. Donc en fait, ça a été plein de matchs comme ça, et c'est un peu le caractère très difficile à analyser dans le football, où il y a une forme d'irrationnel qui, sur 2-3 éléments, arrive, parce que 2-3 mecs sont au-dessus de leur niveau, arrive à faire sublimer une équipe, quelques résultats. Mais cette saison, ce match-là, c'est le genre de match où, bien sûr, ok, je veux bien entendre qu'il y a un peu de suffisance, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, je suis désolé, t'as une bonne équipe, mais t'as un milieu, El Ainaoui Diouf, deux jeunes joueurs, c'est des joueurs qui découvrent le très haut niveau, la Ligue 1, les exigences de finir européen chaque saison, ou en tout cas cette saison. T'as Pereira Acosta qui est très jeune, t'as des joueurs qui l'an dernier marchaient sur l'eau, comme par exemple les trois défenseurs, qui aujourd'hui sont capables de faire une erreur. Et l'an dernier, ils faisaient jamais d'erreur. Mais l'anomalie, c'était l'an dernier. Et justement, j'ai une question à vous poser, messieurs, par rapport à ça. Est-ce que, du coup, le ressort ne s'est pas cassé après l'élimination en Europa League? Parce que tout le monde voyait passer contre Fribourg. D'ailleurs, Il faut pas oublier le début de saison, quand même, cher ami. Le début de saison, il est difficile. On est dernier là, au bout de la cinquième journée, ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que le ressort ne se casse pas, justement, parce qu'il n'y a plus d'objectifs vraiment à ce moment-là? Ouais, t'as raison, il y a peut-être une sorte de chute émotionnelle, d'ascenseur, des compressions. Sauf que quand t'es dans une... Mais t'as eu de te relancer depuis, quand même. C'était pas il y a 15 jours, hein, l'élimination sur Fribourg. Non, je sais bien, mais voilà. Je pense que à partir du moment où on est éliminé de cette Ligue Europa, et peut-être qu'inconsciemment dans les têtes on se dit bon, on n'a plus grand chose à jouer, à part peut-être on sait que la Ligue des Champions ça sera hyper compliqué. Pour moi Lille est plus fort, Monaco est plus fort, Nice pour moi malgré tout ça reste un petit cran au-dessus par rapport à leur expérience et leur vécu commun qu'ils ont entre eux. Bien sûr. Je pense que Kevin a raison, le milieu El Ainaoui Diouf, pour moi c'est encore, alors c'est deux super joueurs, hein. c'est des bons joueurs. C'est des très bons joueurs, et Diouf en équipe de France Espoir, et El Ainaoui convoqué avec le Maroc, enfin qui pouvait être convoqué avec le Maroc. Clairement, c'est deux pépites, mais faut les polir, ces pépites. C'est un long projet, faut être patient, Tout à l'heure, tu disais que le ressort est cassé peut-être avec Francaise. Francaise. Après, je ne sais pas si Francaise va rester. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre débat. Mais en tout cas, Francaise est toujours. J'ai l'impression qu'il est un peu fataliste quand même. Il n'est pas fataliste. Moi, c'est ce que je disais la semaine dernière. Pour moi, il n'est pas fataliste, il est tout simplement réaliste. Je ne sais pas ce qu'en pense Lionel, mais un entraîneur, en ce moment, on est moins bien, est moins bien, ça tourne moins bien. Je veux remettre Eli Wahi en place, comme il a dit, parce que c'est un mec qui est un jeune joueur, mais qui a besoin d'être remis en place, qui a besoin d'être piqué. Oui, qui n'a pas débuté ce soir d'ailleurs, exactement. Le banc, pour moi, n'est pas encore assez. Je termine là-dessus. Je trouve que le banc n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait l'année dernière, par rapport à l'année dernière, je veux dire. Thomasson et Cugini, par exemple, je ne vais pas leur tirer dessus, mais ils sont clairement en dessous de leur niveau qu'ils ont, par rapport au début de saison et même de l'année dernière. Effectivement, Fulgini, c'est encore plus criant, je trouve. Fulgini est devenu un joueur anonyme de la Ligue 1 alors qu'il a quelques séquences très fortes également. Il passe à côté pour l'instant. Merci Jérôme d'avoir fait le 32-16. Très bonne soirée, Jérôme. Tu reviens continuer sur RMC et dans l'after. Florent est avec nous. Salut Florent.
Et bonsoir messieurs. Bienvenue bonsoir dans l'After. Lionel, bonsoir Kevin, bonsoir à vous. Bonsoir Florent. Bonsoir Florent. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes ce soir. Je vais essayer de reprendre point par point. Lionel, tu as commencé par dire que tu sentais une équipe un petit peu épuisée mentale, physiquement. Je suis tout à fait d'accord. Je vois pas de ressort qu'on peut activer sur la fin de saison. Je vois une équipe fatiguée et ce qui m'inquiète le plus, c'est dans le jeu. Ce soir, on se crée quasiment pas d'occasion. On a deux tirs cadrés dans le match contre une équipe qui joue le maintien sans manquer de respect à Metz. Je vois une équipe vraiment fatiguée et surtout psychologiquement. Et l'auditeur d'avant disait que la fin de la Coupe d'Europe, a marqué quelque chose. Et ouais, je vois une équipe comme si on n'a plus de ressort activé. Je vois pas une fin de cycle non plus parce que je pense que Franquez a encore la main sur le groupe. Mais la semaine dernière, il a dit quelque chose de très intéressant, comme quoi il était conscient des limites de son équipe et que malheureusement la Ligue des Champions ce sera pas pour nous. Donc voilà, faudra consolider cette sixième place en espérant que derrière il n'y a pas non plus d'équipe qui nous concurrence pour l'instant en attendant les résultats de ce week-end. Après, je pense qu'il faut rester par rapport à cette déception de qui pourrait être de la non-qualification de Champions League. Il faut quand même rester humble et regarder son effectif par rapport au. Si c'est pour faire de la Champions League et faire de la figuration, je ne vois pas l'intérêt. Donc Coupes d'Europe, être déçu de ne pas être en Champions League, c'est un fait. Ok, je le conçois. Oui. Mais ça dure 3 minutes. Après, il y a d'autres Coupes d'Europe. Et puis pour bien grandir, il y a la Ligue Europa, même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de petite Coupe d'Europe pour moi. Tu apprends par un plus petit niveau. Lens est retombé en Ligue 2. Ils ont été les meilleurs. Ils sont devenus après en Ligue 1. Ils se sont imposés. Donc ce qui m'embête, c'est que quand on est en Coupe d'Europe, quand on joue la Champions League, on se dit on est fatigué parce qu'on joue tous les 3 jours. Et puis quand on n'y est plus, on est fatigué mentalement parce qu'on joue plus la Champions League. Ça m'embête. Lionel, on est tout le temps fatigué, quoi. Lionel, n'oublie pas qu'on fait un très mauvais début de saison. Suis persuadé, et je pense à l'année 1999 où on est relégable, on est le dernier au mois de décembre, on est en Europa League, on fait la demi-finale contre Arsenal, on finit l'année 5e. Pour nous, cette saison, la Coupe d'Europe, elle a été un déclencheur dans le groupe et dans notre début de saison. Et je pense que cette élimination, elle a quand même, mine de rien, marqué quelque chose, parce que dans le jeu, on ne retrouve pas. Je suis d'accord, mais elle devrait pas. Je suis d'accord avec toi sur ton analyse. T'as raison, mais ça ne devrait pas quand t'es joueur lensois et que tu viens, t'es éliminé de la Champions League. Tu te dois de donner déjà pour toi ton amour propre d'être encore européen, parce que c'est en restant tout le temps et en te mettant la barre assez haute, Champions League ou pas. Être européen, c'est difficile d'être européen et d'accumuler les Coupes d'Europe. Ça doit être un but, un objectif. Et puis, il ne faut pas oublier que cette équipe, c'est une équipe, je ne vais pas employer le mot moyen, mais en tout cas, individuellement, il n'y a pas de joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot. Et aujourd'hui, je te pose une question. Tu vois, l'Olympique Lyonnais, qui sont quand même dans une belle dynamique. Quel joueur, aujourd'hui, de Lens, à part Brice Samba, son titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais? Quand tu regardes, il n'y en a pas beaucoup. La Gazette est au-dessus. Cacré est un très bon joueur. Un Danso titulaire à Lyon. Pour moi, il n'y a que Medina. Sur Lyon aujourd'hui, parce que le même joueur, il y a aujourd'hui à Lyon, qui n'est pas non plus la plus grande équipe de Ligue 1. Comme quoi aussi, c'est dans les têtes. Parce que ces mêmes joueurs, il y a 3 mois, 4 mois. Mais c'est parce que à Lyon, on n'était plus pareil. C'est exactement. N'oublions pas qu'avec cette équipe-là, amputée effectivement de deux de ses meilleurs joueurs saison dernière, en l'occurrence Seko Fofana et Loïs Openda, Lens reste 6e malgré ses 4 matchs sans victoire, hein. Et Lens restera 6e au soir de cette journée de Ligue 1. Lens est 6e, mon cher. T'imagines, tu l'aurais signé, hein, il y a quelques mois. Ce que dit Kevin, c'est là où il a raison. C'est-à-dire, et c'est quelque chose où on a vraiment du mal, qu'on a vraiment du mal à comprendre en France. On ne prend que des stades, que des stats individuels. Ça m'énerve. En fin de compte, c'est le collectif qui fait les individualités. Ça n'est jamais les individualités qui font le collectif. À Lens, c'était un gros collectif, exactement, ultra bien coaché, avec
un état d'esprit et une osmose, je pense, dans ce vestiaire, qui était sublimé par deux individualités, ouais, voire trois, avec leur gardien. Exactement. Bon, voilà le collectif. Ouais. Bah, on parle de mai dans un instant. Merci Florent, on a fait le 32-16. Salut Florent. Bon, tu pourras faire la frise peut-être, hein, face à Clermont, que tu recevras le week-end prochain à Bollard avant d'aller à Marseille. Voilà pour le calendrier à court terme du Racing Club de Lens. Dans un instant, on parle de Metz. D'abord, sachez que mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. RMC vous offre 100 places pour les JO. Dès aujourd'hui, hein, dans chaque émission d'RMC, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, 4x4 nage et bien plus encore. Envoyez Paris 2024, Paris 2024 au 7-32-16. Et vous pourrez être tiré ce soir. Le gagnant sera désigné ce soir. Il pourra même choisir ses places. Voilà, n'hésitez pas à envoyer Paris 2024 au 7-32-16. Nous revenons dans un instant avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. Lens battu à Metz. Metz qui se remet à croire au maintien. On en parle avec vous, supporter messien au 32-16. On vous attend dans l'after. A tout de suite sur RMC. RMC, l'after foot. Sur RMC, le dimanche de 19 à 20h, c'est Bartoli Time. Une heure d'info et de débat sport pour revenir sur les événements marquants de la semaine. Avec la Dream Team Sport RMC et les meilleurs invités. RMC Bartoli Time, c'est dimanche 19h-20h. Vous recherchez une formation vraiment enrichissante ? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC. Le premier concours des PME de France. Vous dirigez une PME ? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com. Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC. Ensemble, bougeons-nous. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot. Nicolas Jamin. L'afterfoot avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. On est ensemble jusqu'à minuit. Merci d'être avec nous et également en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Hein. Vous pouvez vous abonner, vous le savez, vous êtes 147 000 abonnés actuellement. Merci à Mike Delfino, à notre modo. Ah ouais, comme on dit. Ils n'aiment pas mon look sur Moi, YouTube. J'aime beaucoup. Très artiste italien, tu vois. Pas grave. Ouais. Veste moutarde. Le béret. Ah ben non, ouais. Ne jamais soucier du regard des autres, mon cher Lionel. Jamais. Ah ouais, non, alors là, il y a longtemps que je serais mort. Exactement. Bon, on a parlé de Lens, parlons de Metz à présent. Victoire Messine de Buzyn à Saint-Symphorien. Tiens, j'accueille Guillaume au 32-16. Salut Guillaume. Nico, salut Lionel. Salut Guillaume. Bienvenue. On est heureux de t'accueillir. Tu sors Saint-Symphorien d'ailleurs. Bon, raconte-nous l'ambiance parce que certains se moquaient un peu sur les réseaux. Doucement, Metz, vous n'avez pas gagné la Coupe d'Europe ni la Coupe de France. Mais bon, sincèrement, cette joie a été spontanée et on la comprend, nous, ici. On n'a peut-être pas gagné une Coupe d'Europe, mais en tout cas, le public messin était très chaud ce soir. Très chaud. On a vu un public messin qui a été derrière son équipe après une première entame, on va dire, où il y avait un peu plus de calme et de protestation de la part des supporters messins. Je ne sais pas si vous avez vu le tifo un peu Ghostbusters. Ouais. Ouais. On devient des fantômes à force de je sais plus le terme exact. C'est ça, à force de soutenir des fantômes quoi. Mais 23 000 quand même, c'est-à-dire 23 000 au jour d'aujourd'hui qui un public qui est là pour et je pense que ça doit souder tout ça parce que vous êtes venus en nombre, les joueurs ça les transcende, c'est un tout. Bien sûr. Ces joueurs-là auraient pu être complètement abandonnés par leur public. Le stade, c'est 23 000, c'est plein. Avec 23 000, vous remplissez, c'est combien le taux de remplissage ? On n'est pas de Guillaume. On a perdu Guillaume. Dans un instant, je sais pas, Guillaume. On va le rappeler. Ça doit être ça, hein, ça doit être à peu près plein. Certainement. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'abonnés. Hein. Ils ont un record d'abonnés, hein, Metz, hein, après la excellente saison dernière en Ligue 2, la montée. Parlons aussi de. Bon, je rappelle le classement. Metz, hein, 17e de Ligue 1, 26 points, qui recolle hein, à Lorient, 26 tu sais points également. Nantes, 15e, 28 points. Le Havre, 28 points. Il y a un groupé là. Je rappelle que Metz a bien sûr un match en plus. Dis-moi, Lionel. Eh ben, là, avec le recul, en fin de compte, je vois Metz sur la deuxième mi-temps de Brest, dans la même lignée.
ils sont carrément sur la même, les mêmes intentions, les mêmes. C'est le même match qu'ils ont fait là. Alors avec mis à part le fait qu'ils ont encaissé ce penalty, mais dans les intentions, dans la solidarité, dans l'abnégation, dans tout, ils sont carrément sur la lancée de Brest. Et s'ils arrivent à enchaîner 2-3 matchs comme ça, et notamment le prochain qui sera au Havre, attention. Attention, il y a des équipes qui n'ont pas cette valeur-là. Je ne parle pas de la valeur footballistique. On ne va pas parler du niveau de jeu. Ils ne vont pas se transformer. Ils ne vont pas devenir meilleurs que le PSG bientôt. C'est pas ça. Mais rien que ça, ouais, avec un public qui ne les abandonne pas et tout ça, attention. Il y a aussi l'énergie du désespoir pour les Messins. C'est quand tu sais que tu ne te reste plus grand chose à vivre, tu peux te sublimer, te transcender. Et j'ai l'impression quand même que ce soir, après avoir concédé cette ouverture du score, ils se sont dit que là c'est maintenant ou jamais, avec bien sûr la qualité bien au-dessus de la moyenne en Ligue 1 de finisseur de Mikotadze. Le mec très au-dessus de tout le monde, là. Enfin à Metz en tout cas. Ouais, pas, il y a pas, lui et les autres. Pas hein. Amsterdam, mais à Metz en tout cas, il a vraiment fait la diff aujourd'hui. Pas là, il y avait une stat, je crois que c'était 0,9 buts pour les Messins quand il n'est pas là. Et là, ils sont à plus de 1,3 quand il est là. Non, mais la victoire, elle est pour lui. Il te fait les gars. Mais il est exceptionnel. Et depuis qu'il met, c'est des occasions qui se créent tout seul. C'est des gestes exceptionnels. Tiens, Guillaume est de retour avec nous. Et il n'y a pas que les buts, parce qu'il y a son travail défensif aussi. Mais c'est un joueur. C'est hallucinant. Sinon, le taf qu'il fait. Hein. Guillaume, ouais, on parlait de Mikotadze, il mérite une statue, non ça ne fait rien. Je vous prie de m'excuser, j'ai un Lensois qui a voulu me couper la ligne, c'est bon, je me suis battu. Ne te bats pas, surtout pas de violence. Alors vas-y, on parlait de Mikotadze, quoi. C'est Mikotadze, sa victoire ce soir. Bien sûr, Mikotadze, c'est sa victoire, mais il l'a fait en fin de match, il est venu devant les deux groupes de supporters et on criait Mikotadze, Mikotadze. Il a fait un signe de non, c'est pas moi, c'est toute l'équipe. Bien et sûr. Ça c'est Mikotadze, puisque déjà à l'aller, moi je sais qu'à l'aller j'avais fait le déplacement à Lens, on avait pareil scandé son nom et c'était non c'est pas moi, c'est l'équipe. Et ça c'est Georges Mikotadze, c'est vraiment un joueur qui est altruiste. Alors c'est vrai que sur ces derniers matchs, bah forcément Metz brillait un peu moins, donc lui brillait par conséquent un peu moins également. On l'a retrouvé, il a eu un peu de mal en revenant de l'Ajax. Franchement, je lui en veux pas. Je lui en veux pas être sur le banc des remplacements à l'Ajax Amsterdam, avoir que des bouts de match, ça a dû être très compliqué pour lui. Voilà, il revient, il montre que ben forcément c'est un attaquant, bon, on va pas dire de très grande classe, mais il montre en tout cas que voilà, il est présent, il est là pour faire bouger les défenses et il est là pour aider Metz à se maintenir. Non mais c'est tombé du ciel hein, cette histoire là. Mikotadze qui part l'été dernier pour environ 16 millions d'euros à l'Ajax, qui fait 9 apparitions, 2 titularisations seulement, lui dit ça n'a pas marché parce qu'on m'a pas fait jouer à mon poste de numéro 9. Il revient prêté avec option d'achat à 10 millions d'euros. 10 millions, ouais. Donc tu vois, derrière, peut-être qu'il va permettre à Metz d'arracher le maintien. Ou peut-être aussi permettre à Metz de renflouer un peu, parce que au 30 juin, il est à toi si tu lâches sur les 10 millions d'euros, et tu peux le revendre bien plus ensuite au cours de l'été. C'est un joueur clairement qui a son avenir en Ligue 1, les gars, on est d'accord. Ouais, ah oui, c'est dire dans la hiérarchie des attaquants en Ligue 1. Bah, regarde, il n'a pas à pallier de certains attaquants de gros clubs français présumés. Hein. Bah, non, de ceux qui font le top, même le top 5, hein, dans le top 5, hein, tu regardes que ce soit Nice. Est-il inférieur à Terem Moffi, franchement ? Pas sûr. Non, mais après, non. C'est un autre style d'attaquant. Nice, Lille. Et puis en plus, il va faire l'Euro, il va prendre encore de l'expérience avec la sélection. Et oui, avec la Géorgie, bien sûr. Donc, c'est forcément un joueur qui a une qualité très au-dessus de la moyenne dans la finition, parce que les deux gestes de ce soir. C'est quand même très haut niveau quand il a retrouvé la confiance qu'il avait perdue au début de saison aux Pays-Bas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé dans le meilleur Ajax, loin de là, voire même un des pires des 20 dernières années. Donc ça n'a pas dû l'aider. Mais ce soir, c'est vrai qu'il est très très juste. Et aussi, il est très énergique dans le pressing et dans les efforts qu'il fait pour l'équipe. Et ça, c'est bien. Il a une vélocité, des appuis hyper rapides. Bref, c'est un joueur au-dessus de la moyenne. C'est toujours important. On nous dit le Mikotadze à l'OM, il faut qu'il vienne à Marseille sur le chat. On le dit, Mikotadze supérieur à Mumbagna. Bien sûr, bien évidemment. Il est lyonnais, Mikotadze, t'as raison. Et pourquoi pas à Lyon aussi. Alors attention, c'est un peu plus cher que Mumbagna, Mikotadze quand même. Hein, hein Mikotadze, Mumbagna. Ils l'ont acheté combien? 30? Pardon? Combien ils l'ont acheté? Non. Non, Mumbagna, c'est combien Mumbagna? C'est... Attends, je vais te dire ça dans un instant. Vas-y, tu veux lui dire quelque chose. Non, pas 30 millions d'euros, moi, quand même pas. Tu sais qui m'a dit ça tout à l'heure. Je sais pas à qui tu parles, mais là. Vas-y, Guillaume. Si Mumbagna, si
Moumbagna c'est 30 millions, Mikotadze c'est 100 alors. Mais oui, non mais. Non, mais Mikotadze, moi. Mais là. Change les fréquentations, monsieur. Par contre, l'option d'achat, moi j'aimerais bien voir si. S'il la garde, s'il y a des centres. Ah, en fait, il y a eu des rumeurs, il y a eu des bruits qui ont circulé. Comme quoi, alors après, pareil, hein, moi c'est une rumeur que j'ai vu passer, je ne sais pas du tout si elle est fondée ou pas. L'Ajax n'aurait pas payé des traites au FCMS si elle vend un montant de 10 millions d'euros. Et l'option d'achat, elle serait là. Après, est-ce que cette information est fondée? Je ne sais pas. Oui, attention. Pour bon, Moumbagna, c'est voilà, 8 millions d'euros. Ouais. 8 millions. Moumbagna c'est 8, Mikotadze ça fait quand même 15. Pour Moumbagna ça fait quand même 8. C'est, c'est énorme 8, c'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui en tout cas, bref. Ouais. Bon, Metz en tout cas, bon, simplement, tu y crois sérieusement au maintien, Guillaume ? J'y croyais de moins en moins. Là, franchement, honnêtement, on a vu deux, même sur les trois derniers matchs, on voit à Brest qu'il y a vraiment une réponse de l'équipe. Ce soir, on a vu une équipe très collective jouer ensemble. Et jouer pour un même objectif, essayer de gagner des matchs, essayer de gagner des points. On a vu pareil face à la fin de match à Monaco. Bon, Monaco avait fini de jouer en fin de rencontre, donc c'est pour ça que Metz en met deux. Brest, pareil, on a vu une équipe à réaction. Ce soir, on encaisse l'ouverture du score, Metz répond. Voilà, si c'est comme ça sur la fin du calendrier, attention, c'est très compliqué parce que on va se déplacer au Havre la semaine prochaine. On va recevoir Lille. Voilà, c'est Lille, Strasbourg, Paris pour finir. Ça va être très compliqué. Paris, la dernière de Kylian normalement en France. Et oui. Donc voilà, oui. Ça va être très compliqué cette fin de calendrier. Tant que c'est mathématiquement possible, on va y croire, bien entendu. Tout à fait. Guillaume, j'ai une petite question. Toi qui étais là-bas, vite fait. Il y a quelque chose qui me gênait, moi, dans l'entame de match des Messins, c'est-à-dire que Endoram jouait très très bas et revenait dans sa ligne de 4, c'est-à-dire qu'il jouait pratiquement, enfin, il jouait à 5 derrière, abandonnant complètement le milieu de terrain, chose qui a été complètement changée à un moment donné. Est-ce que c'est sur l'intervention de Bologna qui lui a demandé de jouer, il a demandé à Endoram de jouer plus haut, de jouer un cran plus haut, ou est-ce que ce sont les joueurs tout seuls qui ont eu, est-ce que toi t'as vu l'intervention de Bologna? Parce que ça mettait vraiment les Messins en difficulté, notamment au milieu de terrain, et ils subissaient. Et à partir du moment où Endoram a joué plus haut, là ils sont rentrés dans le match, ils ont gagné les duels. C'est Bologna qui... Bologna, on le voit mais on l'entend pas, donc en soi les joueurs là, ils avaient déclaré il y a pas longtemps que Bologna donnait ses consignes et puis qu'au final les joueurs ils faisaient ce qu'ils voulaient, qu'ils faisaient leur changement. Voilà, c'est pour donc, ça ma question, c'est voilà. Après Endoram peut jouer au deux postes. Il peut jouer autant dans une défense que dans un milieu de terrain. Après, moi j'ai vu aussi Papa Diallo, donc l'ailier gauche, revenir carrément en poste de piston et Udol coulisser en défense centrale. Oui. Donc voilà, c'est des consignes qui ont sans doute dû être données par l'AS de Bologna. Mais aujourd'hui, Bologna n'a pour moi plus la confiance des joueurs et plus la confiance des supporters. En tout cas, faudra avec Bologna chercher le maintien. Merci Guillaume, on a fait le 32-16. Très bonne soirée à toi. Salut Guillaume. Un petit bonsoir. Très très court en 3 secondes parce qu'il y a Franquès qui parle là. Alors bonsoir à tous ceux qui m'ont reconnu, à tous les alternants de la BBCESC. Un gros big up à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée Guillaume. Franquès en direct. En se mettant un ballon en corner, j'ai l'impression qu'on se met le doute tout seul. Alors qu'en effet, quand je vois les 25 premières minutes, je ne pense à aucun moment que le scénario qu'on a eu ce soir va se produire. Voilà. Et pourtant, il s'est produit. Donc, mais en effet, je pense qu'on se met en difficulté seul. Alors, je parle même pas notamment du second but qui est qu'on donne pas, mais en tout cas, on permet grandement à l'adversaire de le marquer. Mais notre mi-temps a basculé pendant un quart d'heure comme ça. Vous dire que j'ai une explication rationnelle, j'ai pas une explication rationnelle. Voilà, Franck, c'est assez rare de le voir dans une réaction un peu désœuvrée comme ça, mais sans explication. Là, il est heurté là. Ah ouais, là, sûr qu'à son regard, vous n'avez pas l'image forcément puisque vous nous écoutez, mais. Il est marqué, Franquès. Bah, 4 matchs sans victoire d'affilée. Ouais. Metz n'avait gagné que 2 fois à domicile cette saison, quoi. Tu vois. Alors on écoute la deuxième réponse. D'autant plus que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une semaine d'entraînement de cette qualité. On en a parlé avant le match, d'ailleurs, dans la causerie. Et que les 25 premières minutes ne me laissaient pas présager ça. Donc
J'avoue que, oui, il y a eu en tout cas la suffisance, je ne sais pas si c'est le terme juste, un manque d'exigence, un manque de... Oui, il en a manqué, ça c'est évident qu'il en a manqué, qu'il nous en a manqué. Ça c'est une évidence. Et moi le premier, parce que c'est moi qui suis le responsable des résultats. Voilà, pour Franck Hez. Hein. Ce qui est bien, c'est avec Tom là qui est sur une série de 4 matchs en victoire, une défaite à Metz, il reste dans l'explication. Il reste souriant quand même. Et dans l'échange avec les journalistes. Il reste dans l'explication, mais là, je sens sa voix un peu presque tremblante. Quoi. Ouais, on voit que là, il a pris un petit coup sur la tête, et c'est normal. Et c'est vrai que s'il dit qu'il avait une belle semaine d'entraînement et qu'en plus, les 20 premières minutes étaient encourageantes. Bien quand t'es coach, tu comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, bien sûr. Bien. Quand ça t'échappe. Allez, on revient dans un instant. Dans un instant, on va écouter Antoine Comboiré, bien sûr, qui lui est en colère contre la reprogrammation de 3 matchs de Ligue 1 ce week-end. Reste avec nous, c'est l'after avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. À tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. L'After Foot sur RMC avec Free, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et son application Free Ligue 1, disponible sur Apple et Android. Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément... beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, demain, 19h-20h30. Vos plus beaux coups de poker avec Winamax. Vendredi dernier, Antoine a remporté l'Even 107 des Winamax Series. Et après une entrée à 10 euros dans ce 7 Max Show One, il a raflé 4300 euros devant plus de 3000 participants, ainsi qu'un magnum de champagne personnalisé pour marquer l'occasion. Quand on était en heads-up final, je reçois deux as. Et vient en fait à la turn un autre roi de carreau qui ouvre en fait le flush draw. Et quand du coup le set de carreau vient river, j'ai une décision quand lui me fait tapis. Je le couvre à ce moment-là, donc si je le paye et que j'ai raison, je gagne le tournoi. Par contre, si je perds, il me reste que trois blindes, donc le comeback sera très compliqué. Donc c'était un très gros fold que j'ai fait et je finis par gagner le tournoi 10 mains plus tard. Ma copine dormait, comme on travaille, je voulais pas la réveiller. Donc à 3h du matin, je dansais tout seul dans mon salon comme un imbécile en silence. Donc il y en a une partie qui va alimenter ma bankroll et puis l'autre côté que j'ai sorti pour mettre de côté pour des projets futurs. Pour tenter votre chance comme Antoine, rendez-vous sur winamax.fr. Vos plus beaux coups de poker avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Du 21 au 27 avril, RMC présente le Tour Auto. Après 2 jours d'exposition Porte de Versailles, près de 240 voitures mythiques prennent la route de Biarritz en passant par la Grange de Mêlée à Tours, Limoges, Carcassonne et Pau.